le tournoi est un chemin de croix. Personne n'est des droits, mais la coupe on y croit comme autrefois. On n'a pas plus si c'est pas cette année, mais comme c'est l'air année. À la prochaine fois, on va gagner. On peut plus que participer, nous on peut gagner. À soi on fonce sur la patte, nous on peut gagner. Si on se défonce dans la victoire, on peut gagner. On peut gagner. Hockey des Canadiens, Coors Light au réseau des sports. Du Centre Bell, le réseau des sports vous présente le match numéro 6 de la série de deuxième tour entre les Bruins de Boston et les Canadiens de Montréal. Allons tout de suite aux cérémonies d'avant-match.
Le hockey des Canadiens Coors Light au réseau des sports. Une présentation de la bière Coors Light. Fier partenaire des Canadiens de Montréal. Alors, nous sommes de retour au Centre Bell. Bonsoir tout le monde. À notre tour de vous souhaiter la bienvenue ici dans le studio Sport Expert à la Crête en compagnie de Mario Tremblay et Benoît Brunet. Mario, il y en a un chez le Canadien qui, s'il joue pas mieux que ce qu'il nous a montré depuis le début de la série, c'est peut-être son dernier match à Montréal, Thomas Vanek. Mais ça, j'ai aucun doute. Écoutez, c'est un match sans lendemain pour le Canadien. Et Thomas Vanek se doit de répondre à l'appel de Michel Therrien. Comme tu as mentionné tantôt, Alain, Vanek dans le match numéro 5, on ne l'a tout simplement pas vu. Alors, ce qu'on veut dans son cas, lui, on veut voir un effort soutenu. Et si l'effort est là, les résultats vont être là. Alors, je vous le dis, là, si ce soir il ne joue pas, oubliez ça. Sans aucun doute qu'il va avoir disputé son dernier match dans l'uniforme du Canadien de Montréal. Benoît, on parle souvent de la profondeur chez les Bruins de Boston et on en a eu un bel exemple au cours des derniers matchs. On a découvert le troisième trio de cette équipe. Absolument, et ça a commencé dans le match numéro 4 avec le rappel de Matt Fraser. Il marque le but en prolongation. Il a récolté une aide dans le match numéro 5. Alors, deux points ces deux derniers matchs. Söderberg, lors du dernier match, a donné le ton en marquant le premier but du côté des Bruins. 3 points, il a 5 points depuis le début de la série. Et Eriksson a marqué le quatrième, un but, une passe dans le dernier match. Il a vraiment scellé l'issue du match. Et c'est pas compliqué, messieurs. Habituellement, tes meilleurs joueurs te donnent la chance de soulever la Coupe Stanley à la mi-juin. Mais ta profondeur te donne l'opportunité d'aspirer aux grands honneurs. Et c'est exactement ce que le troisième trio a fait au cours des deux derniers matchs. Un problème de plus pour Michel Therrien ce soir. Et je vous rappelle que Nathan Beaulieu va faire ses débuts dans cette série. On va le voir ce soir pour la première fois. Là-dessus, on passe à la mise au point du match ce soir. Présentation de Ford. Allons plus loin. Ben, le Canadien a une fiche de 7 victoires et 20 défaites dans son histoire lorsqu'il tire de l'arrière 2-3 dans une série. La dernière fois, en 2011 contre les Bruins, il avait gagné le match numéro 6, 2-1, avant de subir la défaite dans le 7e match en prolongation à Boston. Mesdames, Messieurs, veuillez maintenant vous lever, retirer chapeaux et casquettes pour l'interprétation de l'hymne national des États-Unis. Ladies and gentlemen, please rise. Remove your hats and caps for the singing of the American National Anthem by Miss Sarah Diamond. Broad stripes and bright stars through the perilous fight. O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the red
Maintenant, pour l'hymne national du Canadien, now for the Canadian National Anthem, Madame Ginette Renault. Devant le filet, une présentation de la Ford Focus ST 2014. Ford, allons plus loin. Alors on retrouve encore une fois cette grande confrontation devant le filet. Allons tout d'abord devant celui des Bruins, Marc. Tukarask a 28 victoires en carrière, en série dans la Ligue nationale de hockey, dont 5 obtenues par jeu blanc, son vis-à-vis. Carey Price en a 15, 8 victoires en carrière en série, dont 3 par jeu blanc. Confrontation qu'on aura à l'œil. Les arbitres ce soir seront Dan O'Halloran et Kelly Sutherland. Les juges de ligne Derek Hamel et Derek Manson. Alors on retrouvera au départ pour Claude Julien le trio de Patrice Bergeron, celui de Tomáš Plekanec pour le Canadien. Les arrières seront Georges et Subban au départ, Chara et Boychuk du côté des Bruins. Alors, tout est prêt pour le match numéro 6 de cette série de deuxième tour. Bonne soirée à notre antenne. Subban à la rondelle au départ dans son territoire. Et la passe vers Vanek, le disque lui échappe. Et la rondelle est récupérée par Bergeron à Marchand. Et un premier tir de Marchand et des Bruins repoussé par Price. La rondelle revient près de la ligne bleue, mais il quitte la zone du Canadien. Et le dégagement va suivre. Il faudra évidemment sortir du territoire de Montréal chez les Bruins. Le dégagement vers le centre. La rondelle est repoussée par Boychuk. Et c'est repris ensuite par Vanek. Voilà Bournival maintenant qui s'amène. Mais Boychuk va remettre à Bartkowski. Un dégagement derrière le filet de Montréal. Et le disque libre sera récupéré par Josh Georges. On revient avec Krejci chez les Bruins. Avec Desharnais chez le Canadien. Et leurs ailiers habituels. La rondelle ira dans le coin. C'est Chara qui reprend. La passe tentée vers Hamilton. Le tir de Gallagher est bloqué. Et voilà un 2 contre 1. Krejci avec Lucic. La passe, le tir. Oh, c'est dévié. En fait, le bon repli de Gallagher, mais surtout raté par Lucic. Voilà Hamilton maintenant à la ligne bleue. À Chara. Et son tir se retrouve derrière le filet. Krejci cherche à reprendre. Hamilton passe. Yemelin touche au disque. Et Ginla le récupère. Passe à Krejci. Krejci est rejoint cependant derrière le filet. Yemelin tente le dégagement et le disque va glisser jusqu'à la ligne bleue des Bruins. Zdeno Chara était toujours sur la patinoire depuis la mise en jeu initiale. Là, il retourne au banc de son équipe. Andrei Markov fait un long détour dans son territoire et va revenir derrière Carey Price. La longue passe, on avait oublié Junta. C'est tir, c'est bloqué par Rask. Il n'y aura pas de retour. Et le jeu s'arrête. Une bonne occasion de chaque côté dès le début du match. Lorsqu'une rondelle qui fait un bon capricieux derrière le filet de Rask aboutit sur le bâton de Gallagher, celui-ci
rate son tir. Markov avait flairé l'occasion offensive, s'avance, se fait prendre à contre-pied. Deux contre un de Krejci à Lucic qui rate son tir. De l'autre côté, le capitaine du Canadien a obtenu une excellente occasion. Encore une fois, on a voulu étirer le travail en échec avant du côté des Bruins chez le Canadien. Là, René Bourque, en se retournant, tire la rondelle dévie à la droite de Rask. C'est Miller qui passe à Krug. Un dégagement vers le centre. La rondelle revient à Lars Eller. Eller qui tire en territoire des Bruins. Sorti de Rask. Il remet à Krug. Torrey Krug passe ensuite derrière le filet. Miller qui perd la rondelle. Eller tire. Lorsqu'elle marque le premier but. Le Canadien, 5-0. Les Bruins avaient, avant ce soir, une fiche de 6-0. La contre-attaque, elle est coupée cependant devant le filet, en défense par Johnny Boychuk. Alors le quatrième joueur qui s'amène à son tour, Daniel Brière, rappelons-le, va évoluer, du moins au départ, entre Dale Rees et Brandon Prost. Rees remet derrière lui. Voilà une belle bataille le long de la rampe. Et c'est Yamelin qui reprend. La passe à Rees. Rees a de la vitesse. Bartkowski l'a suivi dans le coin. La rondelle reviendra derrière le filet. Brière la maintient. À Prost, il tente le tir, c'est raté. Et la rondelle échappe à Thornton. Elle est récupérée. Double mise en échec à l'endroit de Thornton. Un geste conjugué entre Rees et Prost. Voilà Subban qui remet derrière lui à Georges. Josh Georges remet à Subban. Un long jeu en lob en territoire des Bruins. Et c'est finalement Riley Smith qui reprend. Smith remet dans le coin, défié par Vanek. Reprend la rondelle. Smith la remet au centre à Brad Marchand. Marchand tente de contourner Georges, mais beau repli de Plekanec. Et Bournival s'empare du disque. Tombe sur la patinoire cependant. Et Marchand empêche vraiment la transition chez le Canadien. Bergeron tire, c'est repoussé par Price. Marchand remet un peu plus loin et c'est Bournival qui remet à Plekanec. Du côté droit pour Vanek, c'est un peu long. Le jeu va se poursuivre quand Chara récupère le disque avant la ligne des buts. Hier, lorsque le Canadien a marqué, qui en était à sa première présence en carrière, Nathan Beaulieu. Alors Beaulieu, rappelons-le, inséré dans la formation ce soir. Voilà un tir. Oh, Price fait l'arrêt, regarde un peu derrière lui en croyant que la rondelle allait peut-être dévier sur le tir de Jerome McGinley. C'est que Price n'a pas effectué l'arrêt de façon franche avec son bouclier, mais plutôt avec la partie large de son bâton. Une seule défaite au deuxième tour pour l'équipe qui marque en premier. Elle est attribuable au Wild du Minnesota hier soir lors du match numéro 5 à Chicago. Pour ce qui est du reste, l'équipe qui a marqué le premier but a toujours remporté son match au deuxième tour. Alors David Krejci dans le cercle des mises en jeu devant Lars Eller. C'est gagné par les Bruins, mais Lucic prend l'air une deuxième fois. La contre-attaque sera annulée par Krug, qui a coupé cette passe à la ligne bleue des Bruins. C'est l'empilade près de l'entrée de la zone de Boston. Le disque revient à Boychuk. Son dégagement est annulé cependant par Gionta. Lucic remet la rondelle vers sa gauche. C'est repris. Longue remise de Krug. Le dégagement de Boychuk en territoire du Canadien. Là, c'est Yamelin qui s'amène vers la rondelle. Elle revient vers Eguilla, mais c'est un cadeau littéralement pour Markov. Il remet au centre. Gionta va dans le dégagement. On apportera des changements des deux côtés. Pour le Canadien, c'est le trio Desharnais qui revient dans la mêlée. De Beaulieu à Weaver. Weaver remet au centre. La rondelle échappe à Pacioretty. Également à Boychuk, mais le jeu va se poursuivre. Le disque a dévié. Eriksson, c'est le long de la rampe. Perte de bâton cependant pour Weaver. Il va en récupérer un au banc de son équipe. Non, finalement, Subban va sauter dans la mêlée. Là, c'est repris par Beaulieu qui remet à Subban. Et derrière à Beaulieu. De Beaulieu à Pacioretty. Pacioretty attendu au centre. Et le piège a bien fonctionné. Mais dernier reprend et passe à Pacioretty.
Pacioretty repoussé derrière le filet. La rondelle est libre et elle reviendra dans le coin à Soderberg qui fait une chute. Pacioretty s'amène dans le coin. Voilà Gallagher maintenant qui reprend. Et c'est Chara qui pousse plus loin. Subban, un échec avant. Et Pacioretty qui tente d'empêcher la sortie des Bruins. Ce sera réussi du moins en partie. Là, c'est Dernier qui revient. Dernier veut reprendre, passe d'une main. Soderberg repousse le disque standard derrière Rask. Voilà Prost, un échec avant, vient embêter Soderberg. Et la rondelle est rejetée le long de la rampe. Et Georges qui s'avance à son tour. Et la foule qui se fait entendre tôt dans le match. Il est agressif en échec avant du côté du Canadien et énergique. Voilà, c'est Brière qui va justement en profiter. Et Prost qui remet derrière lui. Eriksson est ralenti par Weiss. Et là, Yemelin intervient à la ligne bleue des Bruins. La rondelle, cependant, sera repoussée ensuite à l'entrée de la zone du Canadien. Marquoff à Weiss aussitôt. Weiss rejette en l'ordre. Rask capte le disque. On fait un mur là devant lui pour empêcher un retour. Et le jeu s'arrête. Le Canadien a pris les devants en vertu du quatrième but de Lars Eller en série. Vous regardez. Ford, allons plus loin. Michel Therrien dit souvent, Marc, qu'être entraîneur, ça veut dire prendre des décisions pas toujours faciles, prendre celles qu'on croit les bonnes au bon moment. Il a vanté à de nombreuses reprises la profondeur chez le Canadien. Parmi les huit équipes encore en série 2014, il est le joueur actif avec le plus grand nombre de buts gagnants, avec 13. Daniel Brière, que vous aperceviez au haut de l'écran. Nathan Beaulieu lui assure au moins un défenseur actif et rapide, capable de bien faire une première passe et de relancer l'attaque sur chaque paire de défense. Le tir de Marquoff après la mise en jeu gagnée par Plekanec. La rondelle revient au centre. Yemelin est venu plaquer Marchand. Plekanec remet derrière. Et Vanek tente une passe qui dévie sur un patin. Rapidement, Plekanec s'amène. Remet vers la ligne bleue. Bonnival tente de saisir. Mais probablement que l'enjeu, ce n'est pas tellement lui comme Vanek qui cherchait le bon moment pour pénétrer en territoire des Bruins. C'était un peu confus comme situation. Côté de Claude Julien, évidemment, on n'apporte pas de changement à une formation gagnante. Benoît vous en parlait. Fraser est toujours à la gauche de Soderberg et d'Eriksson. Le quatrième trio est toujours composé de Payet, Campbell et Thornton. Et Bartkowski est le sixième défenseur utilisé. Ce qui veut dire que Claude Julien a décidé de rayer de la formation Jordan Caron et André Mézalon. Léarnec, Richie en territoire neutre. On va repousser les deux joueurs de centre. Serré derrière le juge de ligne. Et finalement, Eginla s'amène en relève à Krejci devant Dernay. Et le disque est en zone des Bruins. Miller le remet aussitôt à Krug. Une passe pour le centre, pour Lucic. C'est raté. Et voilà un dégagement refusé aux Bruins. On s'en va donc à la gauche de Tukarask pour la mise en jeu. Le comparatif Bro et Martineau, on regarde les buts marqués et dans quel contexte dans cette série? On vous en parlait d'ailleurs en début de reportage. Le Canadien qui vient de marquer un huitième but à égalité numérique. Il n'y avait que Plekanec et que Bourque parmi le top 9, parmi les trois premiers trios, les attaquants qui avaient déjoué Rask à égalité numérique. Lars Eller vient de le faire en première période. Est-ce qu'on verra chez le Canadien ce qu'on a vu chez les Bruins samedi, c'est-à-dire l'œuvre du troisième trio? Là, pour l'instant, Gallagher cherche à reprendre et le jeu va se poursuivre. Le tir de Souman à la rondelle dévie finalement et c'est raté. Oh, comment est-ce que Gallagher a pu rater cette occasion en or? Souman reprend devant le filet. C'est dévié derrière le filet. De Dernay à Georges. Et ensuite derrière Rask. Krug tente le dégagement. Subban frappe la rondelle au vol. Et elle va dévier de l'autre côté. Oh, quelle occasion pour le trio de David Dernay. Et particulièrement pour Brendan Gallagher. Pacioretty va remettre cette rondelle, à piquer Subban. Le tir est dévié au passage. Tout d'abord par Dernay. Et par la suite, Gallagher s'empare du retour de lancer. Tukarask. In extremis, la partie plus épaisse de son bâton contre la patinoire, vient fermer l'ouverture pourtant béante. On revoit depuis la caméra dans le filet le retour saisi du revers par Gallagher, mais Rask qui dit non. Un jeu désespéré du gardien qui vient sauver la situation pour les Bruins. Eller devant Bergeron, la rondelle revient à Yemelin, la passe à Marquoff et le dégagement en territoire des Bruins. Le disque glisse. Personne ne semble en vouloir. Finalement, c'est repris par Marchand. À Hamilton. Dougie Hamilton s'amène. Mais Riley Smith, beaucoup trop anxieux, pénètre nettement trop tôt en territoire du Canadien.
Vous avez certainement constaté, comme nous, qu'il y a une rondelle qui bondit énormément depuis le début du match. J'ai posé la question à mon voisin, à Peter Boudaille. Il m'a dit « Ouais, la glace ne semblait pas avoir sa qualité habituelle. » Alors, il faudra peut-être surveiller ce facteur tout au long de la rencontre, la rondelle qui bondit énormément depuis qu'elle a été mise en jeu. Dans les glaces de printemps, Marc, c'est pas facile nulle part dans la Ligue. Je regarde les autres matchs, même les rencontres à Boston. C'est loin d'être parfait. Là. C'est tout un casse-tête là, pour les préposés. Vanek avec un tir. Et la rondelle sera captée. Et on n'aura pas de retour. Ça nous permet peut-être d'offrir nos bons voeux là, de santé à François Martindale, qui est l'un des responsables de la patinoire ici. Alors, des petits problèmes de santé qu'on a appris là, au cours des dernières heures. Alors, nos meilleurs voeux à notre ami dans ce combat là qui l'attend. Bergeron devant Plekanec. Il y a gain de cause. Voilà Markov qui remet derrière le filet. Et Plekanec qui reprend. Plekanec rejette derrière Rask. Et le disque va de Bournival à Vanek. Bartkowski pousse dans le coin. Voilà Smith qui s'avance. Smith revient sur ses pas. Et le voilà derrière le filet. La longue passe vers le centre. Le disque va dévier et le jeu va se poursuivre. Price va se confier. On donne le disque à Bergeron, mais il perd l'équilibre. Et bien ça, c'est vraiment un coup de chance pour Price et le Canadien. Et Bournival saute sur la rondelle. Ça mène à toute vitesse. Réussit à éviter Boychuk. Et la rondelle est repoussée par Rask vers son défenseur. Beaulieu intervient près de la ligne bleue. Le disque libre sera repoussé au centre, un contre un, Marchand devant Weaver. Marchand tente la feinte, mais la rondelle est récupérée par Beaulieu. Un beau repli de la part de Beaulieu. Et la passe aussitôt à Gionta, vers Bourque. Bourque va d'un tir, Heller s'amène devant le filet. Et la rondelle va à Boychuk derrière son gardien. Heller et Gionta en échec avant. Là, c'est Krug qui va reprendre la rondelle. La remet vers la ligne bleue, mais la rondelle bondit par-dessus le bâton de Weaver. Et c'est Soderberg qui s'amène. La passe à Eriksson, le tir! Oh! Est-ce que Price a touché avec la mitaine? Attendons la reprise, c'est possible. Mais c'est une autre occasion ratée par les Bruins. Et encore le troisième trio des Bruins qui fait des siennes. Regardez Carey Price tout sourire devant Nathan Beaulieu. Mike Weaver tombe à la renverse. Oh, sur la tige. Et cette rondelle qui frappe la tige transversale. Le tir du bâton de Louis Eriksson. Eriksson et Soderberg avaient connu tout un match numéro 5 à Boston. La rondelle qui frappe la barre transversale. 11 minutes 13 à la première période. À la reprise, le tir est bloqué. Et c'est Pacioretty qui s'empare de la rondelle. Pacioretty, surveillé par Hamilton. Regarde à sa droite. Tire. Rasque à l'arrêt. Donne le retour derrière lui cependant. Fraser pousse plus loin, mais c'est Subban qui s'avance et veut remettre devant le filet. C'est bloqué. Soderberg remet derrière son gardien. Gallagher intercepte. Gallagher veut trouver un peu d'espace. Voilà dernier. Oh, la rondelle qui rate pour Pacioretty. Mais Subban reprend. Une feinte. La chute de Fraser. Subban revient sur ses pas. Toujours pourchassé par Fraser. Une autre belle feinte aux dépens d'Eriksson cette fois. Et Subban rejoint dans le coin. Et là, le disque va à Gallagher qui tente un jeu dans un angle impossible. On ne sait jamais, parfois. C'est repoussé par les Bruins en territoire du Canadien. Subban reprend et remet le disque à Pacioretty. Il est plaqué par Miller, mais poursuivi. Rejoint par Bartkowski. Le disque va à Thornton. Il est défié par Yemelin. Et au centre, c'est Campbell maintenant qui s'amène. Campbell tente le tir voilé. C'est bloqué. Yemelin remet derrière. Bartkowski reprend. La passe le long de la rampe. C'est saisi par Paillé. Il est repoussé cependant en territoire neutre. Beau jeu de Weiss devant Paillé. Yemelin à Markov. La passe arrière à Yemelin. Yemelin remet au centre à Weiss. Du revers à Prost. Prost est seul pour l'instant. Va poursuivre quand même derrière le filet des Bruins. Paillé rejoint par Weiss. Et voilà Prost qui vient tasser Campbell. Une passe oh, qui échappe de justesse à Brière. Qui avait profité de l'espace en vertu de l'échec avant de ses deux coéquipiers. Et c'est Georges qui reprend dans son territoire. Remet vers le centre. Prost saisi. S'amène avec Brière. Regarde à sa droite. Passe finalement à Brière. Il revient sur ses pas. Vers la rondelle. Et Lucic s'en empare. Remet à Krejci. David Krejci accélère. Subban lui enlève le disque. Lucic le reprend. Mais voilà Georges qui intercepte à son tour. Et Boychuk qui s'avance pour empêcher la sortie de Bournival. Higginla vers Krejci. Krejci refoulé dans le coin, plaqué par Bournival. Ça revient à Boychuk. Son tir dévie à la droite de Price.
Krug avec un tir qui touche le bâton de Bournival. Et voilà le trio de Krejci qui accentue la pression en territoire du Canadien. Les défenseurs appuient également. Boychuk remet derrière le filet. Subban intervient, remet à sa droite. Encore une interception d'Eginla à la ligne bleue. Et finalement, le disque sera repoussé au centre. Et voilà Pécanet qui s'amène avec Bournival. La passe vers Bournival qui fait dévier directement, surtout Carrasque. En contre-attaque, c'est Tory Krug qui remet en territoire du Canadien. Sorti de Price qui laisse la rondelle derrière à Markov. Au centre maintenant pour Bourque. C'est raté, mais le disque a touché le bâton. Le jeu va donc se poursuivre. C'est raté pour Miller. Ça ira vers Smith qui est défié par Markov. Heller reprend. Tente de remettre à Yemelin. Voilà Bergeron qui saisit dans le coin. Passe à Marchand. Marchand refoulé sur la rampe. La rondelle est maintenue par Bartkowski. Et une deuxième fois plutôt qu'une. Mais à la deuxième occasion, la rondelle avait quitté la zone et elle revient trop tôt. C'est Montréal 1, Boston 0. Je parlais d'un bon départ obligatoire pour le Canadien. C'est ce que Michel Therrien a. Oui, absolument. Et on dirige énormément de rondelles pour défier tout Carrasque. C'est ce que Plekanec et Bournival, qui fait dévier cette passe sur le gardien de but des Bruins, font. Depuis le début de la rencontre, 8 tirs. Michael Bournival en a 2 jusqu'ici pour le Canadien. Et toujours dans cette optique, hein, il faut y aller à court terme, une étape à la fois. Alors le bon départ, le premier but, l'échec avant, l'énergie est là. Les Bruins, cependant, cherchent à répliquer progressivement en période. C'est 8 à 3 les tirs jusqu'ici en faveur du Canadien. Et les Bruins ont eu une excellente présence de la part de leur premier trio. Pacioretty remet vers Yemelin. Yemelin choisit de se porter en attaque. Ralentit un peu, poursuit jusque dans le coin. Revient sur ses pas. Repère Desharnais à la ligne bleue. Son tir bloqué par Rask. Alors Rask vient d'ajouter un autre bon arrêt à sa fiche. Lui qui a été solide dans la victoire de son équipe samedi. David Desharnais joue de façon un peu plus directe. C'est que Marchand s'est avancé avec le défenseur qu'il couvre habituellement, Alexis Yemelin, profondément dans le territoire des Bruins. C'est Desharnais qui le remplace au point d'appui. Il a tout le temps voulu pour décocher un tir. Rask travaille bien derrière Gallagher et Chara qui lui venaient en appui. Et on va déléguer le trio de Lars Eller contre le troisième des Bruins. Donc Söderberg Eller à la gauche de Rask. La rondelle est repoussée près de la ligne bleue. Beaulieu la repousse, mais c'était déjà un peu en retrait. Et là, Weaver intervient. L'arbitre a levé le bras. Bâton élevé. Alors, Weaver voulait frapper la rondelle. D'accord avec toi, Pierre. L'objectif clair et de toucher à la rondelle. S'il touche cependant à Louis Eriksson, plus haut que la hauteur permise, ça devient une infraction. Mais il doit toucher au joueur. La rondelle, la lame du bâton va toucher à l'épaule gauche de Louis Eriksson. Il y a certains joueurs là, qui ont regardé la reprise sur mon écran en même temps. À quelque part, on peut pas argumenter. Le bâton a été porté trop élevé, mais... Et c'était pas non plus sur un élan complété pour un tir. Non, voilà, toujours exactement. Toujours être en zone grise. Voilà. Bon, alors voilà une pénalité qui survient à un moment délicat, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Canadien tente évidemment de maintenir cette avance et les Bruins devront d'abord revenir dans leur territoire après le dégagement complété. Les Bruins avec 8 buts marqués en 28 occasions, à égalité au premier rang dans la Ligue nationale avec un pourcentage de 28,6. Voilà Yemelin qui vient plaquer ce derrière. Voilà, les mises en échec sont distribuées allègrement ce soir. Rappelle-toi, l'un des aspects importants du match numéro 3. Et jusqu'ici, on a quand même plusieurs facteurs semblables. Déjà 16 coups d'épaule répertoriés pour le Canadien. Et Alexis Yemelin est un participant actif dans ce département. La passe de Hamilton vers Lucic à Eginla. Eginla qui accélère, veut couper vers le filet, choisit de freiner dans le coin. Remet la rondelle à Krug, de Krug à Krejci. Une passe qui dévie sur le bâton de Markov avant d'atteindre Eginla. Et là, c'est repris par Eller qui aperçoit Pacioretty et veut lui refiler le disque. Et Eller va le reprendre en territoire des Bruins. Lars Eller revient sur ses pas, choisit prudemment de remettre en territoire neutre. Georges et Yemelin vont compléter le travail avec ce dégagement jusqu'à Rask, qui a presque redonné le disque à Prost, qui s'amenait seul en échec avant. Et Prost qui ralentit la progression de Krejci ensuite. Voilà Lucic à Eginla.
La passe du revers bloquée par Plekanec. Chara s'avance pour appuyer l'attaque à son. Belle chute dans le coin. La rondelle va glisser vers Frost maintenant, qui vient tasser Eginla au passage. Georges tente le dégagement. Claude intercepte. Et un plongeur superbement calculé de la part de Yemelin, qui revient à dégagement. Eginla relance l'attaque aussitôt. Et le tir est bloqué en défense cette fois par Georges. Il reste 8 secondes à la pénalité. Et un dégagement de Georges réussi à l'autre bout. Alexis Emeline est mal en point, mais quelle performance sur la dernière présence pour le défenseur du Canadien. Il regagne difficilement devant des siècles. Oui, absolument. Il a même peine à revenir sur le banc. Contre-attaque, Marchand tire. Oh là là, le Price du bout de la jambe droite. Et voilà Heller qui reprend. Lars Heller s'amène au centre. On lui fait tomber son bâton. C'est un coup de bâton de l'adversaire qui en est responsable. Et les spectateurs ont tout vu. Voilà Paillé vers Marchand. Repli cependant de Heller qui empêche Marchand de tirer au filet. Gionta s'empare de la rondelle. La remet vers le centre. Et finalement, c'est passe avec la main. Voilà pourquoi le jeu s'arrête. Et les officiels vont goûter à l'humeur des partisans. C'est Montréal 1, Boston 0. Vous regardez le hockey des Canadiens. Coors Light. Gérard Galland. Michelle talked extensively about it, having a good start tonight. Is that what you needed? Yeah, definitely, Mark. The first 10 minutes were outstanding. We're forechecking hard. We're finishing our checks, and that's exactly the way we got to play. Is this more about an adjustment or just intensity and attitude? I think it's intensity and attitude. You know, we don't make many adjustments, and, you know, you played the team 5 games already, so it's about getting ready to play and intensity and attitude, and we're back in the corner, and we're ready to play. Thanks, Eric. Thank you, Mark. Bon, alors, connaître un bon départ, jouer avec toute l'énergie, c'est ce dont parlait Gérard Galland. On gagne des batailles, et ainsi de suite. Mais c'est l'attitude, c'est l'intensité, c'est le comportement des joueurs. Parce qu'au sixième match contre la même équipe, c'est plus le temps de faire du tableau noir, comme on dit. Ouais, alors, ce sont les facteurs extérieurs, Marc, là, qui entrent en ligne de compte. Et un des facteurs importants dans ce match à quitter pendant la pause publicitaire, Pierre, Alexis Emeline est au vestiaire. Il était mal en point après sa dernière présence. Il a distribué de nombreux coups d'épaule, mais son dernier contact avec Lucic a laissé des traces. Oui, alors évidemment, ça s'est fait dans le coin, un peu derrière le jeu. On aura certainement l'occasion de revoir tout ça là, incessamment. Plekanec remet vers Vanek, qui fait dévier le disque derrière lui. La rondelle reviendra au centre à Smith. Smith, ralenti par Georges, garde quand même la rondelle, contourne le filet. Riley Smith la remet à Bartkowski. Son tir va percer, Price fait l'arrêt et retourne ensuite vers sa droite. Et ça se referme. Le long de la rampe, Bournival, il va d'un dégagement alors que Subban et Bergeron là, ont des reproches à s'adresser après être tombés dans le coin tous les deux. Je crois que les deux seront chassés. C'est du moins ce que Dan O'Halloran semblait signalé. Bon, Patrice Bergeron s'en va au banc. Subban reçoit des reproches de Brad Marchand, mais ça, il n'y a rien de nouveau là. Est-ce qu'il est le seul à y aller? Non, Subban est aussi escorté vers le banc des pénalités. 76 for Montreal, 37 for Boston, 2 each for roughing. Alors, 2 minutes chacun pour Rudess. On va revoir la soirée de travail d'Alexis Yemelin jusqu'ici. Des mises en échec abondantes contre Alex Smith, contre Söderberg également, contre Chara, qui l'avait évité de justesse quelques instants auparavant. Alors qu'on va sur cette séquence, mais ce contact-ci, celui avec Lucic, semble avoir laissé des traces. Il a regagné le vestiaire. Il a été félicité par Beaulieu, par Brière à son retour au banc. La bonne nouvelle pour le Canadien, c'est qu'il vient tout juste d'effectuer son retour. Il est d'ailleurs sur la patinoire. Allez, l'infirmerie fait des miracles parfois en séries éliminatoires. Absolument. Alors, c'est 4 contre 4. Situation intéressante. Voyons voir si l'une des deux équipes pourra profiter de l'espace supplémentaire. La rondelle est rejetée en territoire du Canadien. Erickson s'amène. Il sera rejoint par Markov et Pacioretty qui s'emparent du disque. La passe de Pacioretty à Desharnais. Attendu par Chara. Desharnais repousse la rondelle d'une main en territoire des Bruins. Söderberg reprend. Chara a fait une chute tout près de son banc là, à la ligne bleue des Bruins. Hamilton remet derrière et Chara récupère la rondelle derrière son filet. Chara vers Hamilton. La longue passe du côté gauche. La remise de Söderberg à Eriksson. Un tir faible et Price ne court aucun risque. Préfère garder la rondelle en sa possession. Et le jeu s'arrête.
Pour nombre de joueurs dans la formation du Canadien, il ne s'agit pas d'une situation si étrangère. Deux fois en 2010 et une fois en 2011, alors que le Canadien tirait de l'arrière 3 à 2 des matchs 6. Ici, au Centre Bell, à domicile, 3 victoires contre les Caps, les Pingouins. C'est même Bruins en 2011. Et du côté des Bruins, on disait, s'il y a une motivation qu'on devrait avoir, c'est de se rappeler l'an dernier, alors qu'on avait perdu le match 6 à Toronto, et les Leafs étaient venus, comme vous le savez, aussi proches d'éliminer les Bruins à Boston lors du match numéro 7. Mais les Bruins avaient effectué l'un des revirements les plus spectaculaires dans l'histoire des séries éliminatoires. Krejci a brisé son bâton en se plaçant pour la mise en jeu, est allé au banc récupérer un nouveau. Alors, le voilà devant Plekanec. Gagne la mise en jeu. Georges s'empare de la rondelle. La remet du côté droit. Weaver remet par la rampe vers Gionta. Gionta qui cherche à maintenir la rondelle devant Lucic. Krejci la repousse en zone du Canadien. Mais Georges la reprend aussitôt. Georges à Weaver. Il est plaqué par Lucic. Le dégagement de Gionta est raté. La rondelle bondit vers Krejci. Krejci remet vers Krouva. Bon plongeon cette fois de Georges. Et le disque reviendra derrière le filet de Montréal alors que Georges le reprend et le remet à Mike Weaver. 45 secondes au mineur double, 3 minutes 4 à la période. Une passe un peu brouillonne là pour Georges. De toute façon, on apporte des changements d'abord du côté de Boston et on réplique avec Lars Eller du côté du Canadien avec Brendan Gallagher. Et là, toujours Georges et Weaver qui sont coincés dans leur territoire pour l'instant. Une passe à Gallagher, les deux défenseurs seront remplacés. Gallagher s'amène, attendu par Chara. Gallagher veut protéger la rondelle. Campbell vient aider Chara qui remet le disque à Hamilton ensuite. Dougie Hamilton à la ligne bleue. Markov intervient trop tard. On doit quitter la zone. Markov y va dans un pivot et remet du revers à Eller. Eller regarde ses options. Remet vers Beaulieu qui passe à Eller. On juge que le disque a tout juste quitté la zone des Bruins, ce qui provoque le hors-jeu. Josh Georges y est allé de tout un effort pour couper la ligne de passe. Weaver est frappé. Gionta est victime, non pas victime, mais coupable plutôt d'un revirement. Krejci va d'une passe pour Torrey Krug qui s'amenait dans la glave. Mais Josh Georges, en plongeant, coupe la passe. 2 minutes 25 à la première période. 4 secondes au mineur double. Voilà Markov qui va reprendre et choisit de reculer vers sa ligne bleue. Bergeron et Subban sont de retour. Yemelin. Il va d'un tir repoussé par Rask. Le retour va derrière le filet à Dale Weiss. Yemelin reprend. Il retourne le disque dans le coin vers Weiss. Weiss tombe. Miller va le suivre sur la rampe. Bartkowski maintenant, rejoint par Pacioretty et Weiss. La rondelle reviendra vers Yemelin, mais c'est un peu loin. Yemelin remet aussitôt derrière lui un dégagement qui va forcer le repli des Bruins loin dans leur territoire. Part de Bartkowski vers la gauche. Voilà Bergeron qui saisit. Bergeron passe vers Eginla. Eginla à Bergeron. De l'autre côté, ça va à Boychuk qui a dû quitter la ligne bleue pour saisir la rondelle. Et ça donne un peu d'espace pour Desharnais en contre-attaque. Desharnais tente le tir. Krug fait dévier le disque sur le filet protecteur derrière le filet des Bruins. Ben, c'est une série intéressante à plusieurs points de vue. Elle est maintenant égale 2 à 2. Elle se déplace à Anaheim ce soir, les Kings contre les Ducks, 22h à l'antenne de RDS2, à ne pas manquer. À la droite de Tuukka Rask, Krejci devant Plekanec. La rondelle reviendra sur le bâton d'Eriksson. Il passe aussitôt à Soderberg. Le tir de loin. Price se méfie un peu là, de l'arrivée d'Eriksson. Finalement, choisit le dégagement lui-même en territoire neutre. Et là, Krug recule dans son territoire. Remet à Boychuk, à Krug. Krug tente la remise vers le centre. C'est raté. La rondelle ira du côté d'Eriksson. Il freine devant Bournival. Voilà le tir de Boychuk. Oh, il rate la cible. Boychuk a un tir puissant. Krug gratte la rondelle. Et Rask viendra l'appuyer en rejetant vers le centre. Là, il fallait se méfier chez le Canadien. Frost a même plongé. Pas Frost, mais Georges a plongé sur le banc des joueurs. Et même sur un coéquipier pour éviter, Marc, le surnombre. Parce que là, Rask, avec son dégagement rapide, a comme un peu piégé là, les joueurs du Canadien dans leur changement de trio. Évidemment, on ne veut pas commettre cette erreur qui pourrait ouvrir la porte aux Bruins. On sait que leur jeu de puissance s'est mis en marche lors de la dernière rencontre.
mise en jeu importante dans le territoire défensif en fin de période hier. Je ne sais pas si Georges a pris des cours de Roselyne Filion ou d'Annie Pelletier, mais en tout cas, c'est un très beau plongeon par-dessus la rampe. 54,8 secondes à la période. Hamilton tire, c'est bloqué devant le filet par Mike Weaver. Giunta en contre-attaque, rejette la rondelle derrière Rask. C'est Bourque qui saisit, laisse le disque dans le coin. Ça ira finalement à Chara qui passe à Lucic. Milan Lucic du côté droit pour David Krejci. Krejci tire calmement. Price capte la rondelle, préfère la garder en sa possession. Et quand tu as Milan Lucic qui s'amène à fond de train, c'est peut-être la décision la plus sage. Toujours un excellent signe, ça, pour le gardien de but du Canadien. Lorsque les tirs dans la partie supérieure, il est de loin, il les maîtrise facilement sans même s'agenouiller. Il reste debout, capte au vol cette rondelle, ne donne pas de retour. Ça veut dire que sa lecture du jeu et de la rondelle depuis la lame du bâton du tireur sont excellentes. Alors, Plekanec s'amène devant David Krejci pour cette mise en jeu avec 33 secondes et 7 dixièmes à la période. C'est gagné par Plekanec. Markov remet vers Yemelin qui fait dévier à Weiss. Yemelin reprend ensuite. Et devant Krejci, passe par la rampe à Prost. Plekanec rejette à l'autre bout. S'amène avec Chara derrière le filet. Voilà Weiss qui tente de venir appuyer Plekanec en échec avant. Prost va faire la même chose. Et Prost qui gagne des secondes précieuses le long de la rampe dans cette bataille. Et le disque est toujours coincé. Il reste 8 secondes. Est-ce qu'on aura peut-être le temps de reprendre chez le Canadien? Non, c'est Hamilton qui remet à Lucic, à Krejci. Krejci vers Hamilton. Une passe dans l'enclave. Et au moment où le disque dévie à la gauche du filet, on entend la sirène. On a tassé Plekanec. Weiss va venir à son tour passer un petit message à Lucic. Et ça annonce les couleurs pour la deuxième période. Là-dessus, Alain nous attend pour le sommaire de la première. Alors, Larcelaire est celui qui a donné les devants aux Canadiens. 1-0 a profité d'une bévue du défenseur Kevin Miller derrière son filet. Le quatrième de LR sans aide à 2 minutes 11. Le Canadien qui a aussi dominé avec 11 tirs contre 8 pour les Bruins de Boston. 1-0 Montréal après une. Vous regardez le hockey des Canadiens. Coors Light à RDS. À la une, une présentation de Kia, le pouvoir de surprendre. Retour dans le studio Sport Expert, c'est 1-0 le Canadien après une. Probablement la période la plus enlevante depuis le début de cette série. Je ne sais pas si on va être capable de maintenir le rythme pendant 60 minutes. Et ça a aussi été la meilleure période du trio de David Desharnais. Ben, sans aucun doute. Puis Michel Therrien l'avait dit hier après la séance d'entraînement. Il dit, écoutez, inquiétez-vous pas, notre équipe va être prête à affronter les Blues tôt en début de match. C'est une erreur du défenseur des Blues qui a permis à Heller qui a permis à Heller de permettre aux Canadiens de prendre les devants 1-0. Mais écoutez, on a vu tout. Ça frappe, ça patine. On a vu des changes remarqués. Des poteaux. D'un côté comme de l'autre. Oui. Même barre horizontale. Wow! J'aime autant être assis en haut qu'être assis en bas. Oui, surtout quand je vois Lucic frapper sur la glace. On est bien ici. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est le fait qu'on a plusieurs trios qui ont contribué au succès du Canadien en première période. Ce qu'on n'a pas vu sur la route, puis on n'avait peut-être pas vu ça dans la défaite de 1-0 ici au Centre Bell, c'est que c'était un trio de temps en temps. Là, au début, dans le début de match, on a vu que tous les trios étaient prêts à jouer. Tout le monde patinait, tout le monde plaçait des rondelles en fond de territoire. On était les agresseurs après le but d'Heller. C'est ça qu'on veut voir à Montréal. Tu prends le contrôle du match, comme les Blues ont pris le contrôle du match numéro 5. J'ai hâte de voir, comme tu l'as mentionné, si on va avoir assez d'énergie pour maintenir ce rythme-là. Mais tu envoies quand même un message aux Blues que tu es prêt pour jouer. Puis s'ils veulent te battre ce soir, ils vont devoir jouer le meilleur hockey. On a été sévère à l'endroit de Brandon Prost, avec raison. Par contre, ce soir, en première période, c'est le Brandon Prost qu'on s'attend de voir, c'est-à-dire être agressif, terminer ses mises en échec. Donc, ça aide également Day-Louise à être meilleur également. Alors, une bonne période pour Brandon Prost. OK, j'aimerais vous entendre également sur la décision d'insérer Nathan Beaulieu dans l'alignement. Ça fait 3 semaines qu'il va jouer au hockey et c'est un premier match pour lui en série. Moi, je pense que la seule raison pour laquelle Michel a décidé d'utiliser Nathan Beaulieu, c'est qu'on veut avoir plus de rapidité comme défenseur. Parce qu'on a vu à quelques reprises se porter en attaque. On l'a vu rentrer en zone offensive. Il tapait avec son bâton sur la patinoire parce qu'il voulait avoir la rondelle. Écoute, moi, je pense que c'est pas de mauvaise décision. On verra en deuxième et en troisième, mais jusqu'à maintenant, pas trop de dommages. Si Krug est capable de jouer pour les Bruins, Beaulieu est capable de jouer pour le Canadien,
Krug est tout petit, c'est un défenseur qui bouge bien la rondelle, qui appuie le jeu de puissance. C'est la même chose. Si Markov se fait prendre une longue présence sur la glace avant un jeu de puissance, bon, au moins, tu as Beaulieu pour envoyer avec Piqué et Subban. Et comme tu l'as dit, des défenseurs pour lancer l'attaque, tu as besoin de ça. Surtout contre une équipe qui est très, très solide en échec avant. Alors, avoir Beaulieu dans l'alignement, ça va très bien. Je pense que Weaver a une période difficile, lui. Ouais. Lui, il doit élever son jeu d'un cran en deuxième. Bon, on va parler de Piqué et Subban parce qu'avec Carey Price, ce sont de loin les deux meilleurs joueurs depuis le début des séries éliminatoires. On connaît la situation contractuelle de Piqué et Subban. Et là, sa valeur vient encore d'augmenter avec sa performance en série. Il va coûter cher aux Canadiens. Ben, c'est sûr qu'il va coûter cher. Écoute, Piqué Subban, moi, j'ai tout le temps dit, moi et Marc Bergevin, qui l'a mentionné en début de saison, prouvez-nous qu'est-ce que vous pouvez faire, puis on va en prendre compte. Mais exactement ce que Piqué Subban fait depuis le début de saison, chapeau, bravo. Et en passant, avec les droits de télévision que le Canadien vient de signer, ils vont être capables de signer Piqué Subban à long terme, parce qu'ils ont beaucoup d'argent dans les coffres. Moi, je pense que ça va être le minimum 8 millions par saison pour 8 ans. C'est un joueur que tu dois acheter son autonomie en partant. Ça coûte très cher. Et quand je regarde présentement, puis on a parlé à maintes reprises depuis le début de cette série-là, quand tu as un joueur dans ton alignement, même si c'est pas toujours parfait à chaque soir, ouais, qui est capable et qui veut faire la différence dans des matchs importants, tu dois les signer à long terme. Moi, je vois Piqué dans ma soupe et j'espère qu'il va rester longtemps pour le Canadien. OK, retour sur les autres séries. Est-ce que les Rangers vont réaliser ce que bien des gens croyaient impossible il y a quelques jours à peine, c'est-à-dire remporter 3 victoires consécutives et éliminer les Pingouins? Bien, moi, si j'avais un petit peu d'or à parier, je le parierais du côté des Rangers demain soir face aux Pingouins de Pittsburgh. C'est malheureux à dire, mais on voit Martin Saint-Louis dimanche lors de la fête des mères qui a inscrit le premier but par les Rangers de New York. Qu'on le veuille ou non, c'est malheureux à dire, mais le décès de la mère de Martin a comme une étincelle transporté les Rangers de New York. On dirait que les Rangers veulent gagner pour Martin Saint-Louis. Alors moi, je pense que demain soir, bye-bye Pingouin. Son père et sa sœur assistaient au match hier d'ailleurs à Madison Square Garden. Et sa petite prestation après le match, quand il a dit qu'il était fier de porter l'uniforme des Rangers et tout ça, si les gens ont la chance d'aller voir, aller voir ça, parce que c'est vraiment inspirant. Ah, oui, oui. Là, ça nous démontre à quel point c'est... Parce que c'est un leader. Pour moi, je l'ai toujours vu comme un leader. C'est un gars qui a eu une grande carrière, qui a passé à travers plusieurs épreuves. Là, il passe à travers une autre épreuve qui est très difficile, de perdre de sa mère. Et il l'a bien démontré qu'il veut jouer au hockey, qu'il veut faire la différence. Alain Vigneault était content de l'avoir dans son alignement. Tant mieux, je suis content pour les Rangers. Et on dit qu'il n'y a pas de leadership à Pittsburgh. Oui, dans le vestiaire des Pingouins. Et là, on commence déjà à spéculer sur ce qui pourrait arriver si les Pingouins étaient éliminés. Est-ce que Bilesma et même Shiro pourraient perdre son emploi? Est-ce qu'on ne sera pas obligé d'échanger ou Crosby ou Malkin? Mais disons qu'on commence déjà là à penser parce que ça va pas très bien pour les Pingouins en série depuis qu'ils ont gagné la Coupe Stanley. Chicago, Minnesota, les Hawks ont repris les devants. Moi, j'aimerais vous entendre. Il y a eu de grands capitaines dans l'histoire de la Ligue nationale. Jean Béliveau a été un exemple à Montréal. Il y a eu Gretzky. On a parlé beaucoup du leadership de Mark Messier à l'époque. Est-ce que Jonathan Toews est devenu la référence quand on parle d'un capitaine dans la Ligue nationale? Et n'oubliez pas que Toews a été capitaine très jeune avec les Blackhawks de Chicago. Pas là, des capitaines, là. Je vais vous donner un exemple, Guy Carmono. C'est pas le gars qui parlait le plus, mais j'adore des capitaines, par contre, qui vont démontrer leur leadership dans les matchs et surtout dans les séries éliminatoires. Et c'est exactement encore ce que Toews a fait hier contre Minnesota. Le but gagnant, bye-bye, on s'en va dans le prochain match. Et on en a un ici sur la glace ce soir. Patrice Bergeron, pour moi, là, je le place dans la même catégorie que Jonathan Toews. La seule chose, c'est que Toews est un peu plus solide en attaque. Une meilleure main, il va récolter un peu plus de points que Bergeron, mais il joue le même rôle avec leur équipe, et c'est ça. Parler dans le vestiaire, t'as raison, Mario. Il y en a beaucoup, j'ai entendu parler dans le vestiaire, mais quand ils sautent sur la glace, surtout en série, sur les paires sur la glace, on a un bon mix. Toews, c'est un bon leader, t'as du talent, t'as ça, Sharp, Kane, on a du talent et c'est pour ça que ça va bien. Ouais, Duncan Keith. OK, on va terminer en parlant de cette nouvelle tendance que Patrick Roy a lancée en séries éliminatoires, c'est-à-dire retirer son gardien quand il reste 4 ou 5 minutes à jouer en troisième. On a vu Michel Therrien le faire à Boston dans le match numéro 5. Il y avait 2 buts de retard. Là. Oui, mais est-ce que, dans le cas de Roy, c'était ça, ou également, il y avait 2 buts de retard. Il y a Boudreau qui l'a fait avec les Ducks d'Anaheim. Et même Boudreau a rendu hommage à Patrick Roy après le match en disant: s'il n'avait pas fait avant moi, je ne l'aurais jamais fait, j'aurais jamais osé faire ça. Quand ça fonctionne, parfait, mais dans le fond, c'est vrai. Tu tires de l'arrière par 2 buts, tu n'as rien à perdre. Perdre par 2 ou perdre par 3 buts, et tu perds pareil. Moi, alors, ce qu'il a fait, moi, c'est intelligent, mais nos bonnies, Mario, les plus et les moins, nos bonnies dans notre contrat. Nos bonnies, ben là! Les playoffs, il n'y en a pas de bonnies. Ah, c'est vrai. Alors voilà, c'était la chronique à la une de ce soir. À la une, une présentation de Kia. Le pouvoir de surprendre.
Ernest, habilleur officiel des animateurs du hockey à RDS. Nous sommes de retour au Centre Bell pour la troisième période du match numéro 6 de cette série de deuxième tour. Canadiens Bruins, 1-0 Montréal. Voici le but marqué en première période présenté par Poe et Martino. Un seul but en première période, revirement coûteux lorsque Crew tente de remettre cette rondelle à Kevin Miller de l'autre côté. Il fait dévier dans l'enclave. Heller est là pour ramasser cette rondelle libre. Rask est battu. Après 2 minutes 11, le Canadien menait 1-0. C'est là où on en est après une période. Le match en chiffres vous est présenté par Subway. Les deux derniers buts du Canadien à égalité numérique contre les Bruins. Un en filet désert, l'autre en première période ce soir, sont l'œuvre de Lars Eller. Quatre mises en échec pour Prost et pour Yemelin. Le Canadien presque parfait dans le cercle des mises en jeu en première période. Et Josh Georges, Marc, est passé de la parole aux actes à propos de ce qu'il nous avait dit en avant-match. Il a été utilisé 11 fois, 9 minutes 30, une mise en échec, deux tirs bloqués. Une excellente première période pour Josh Georges. La période qui s'est terminée par une pénalité aux Bruins. Oui, Dougie Hamilton est chassé pour rudesse. C'est lui qui avait amorcé cette escarmouche à la fin de la période. Il en a mis un peu trop au bout des officiels. Il est le seul à être chassé d'ailleurs. Alors le Canadien se retrouve en supériorité pour la première fois ce soir avec une efficacité de 27,6% alors qu'on revoit... Ah oui, avez-vous vu Dale Weiss qui donne la réplique à Milan Lucic? Oui. Lucic s'était moqué des muscles de Subban lors du dernier match autour de Weiss de faire la même chose au départ de Lucic. Bon, évidemment, il y avait un petit sourire. Sourire peut-être forcé un peu, mais quoi qu'il en soit. 27,6% de Canadiens donc en supériorité en série 2014. Les Bruins ont concédé 8 buts pour 77,8% en infériorité. Au départ, ce sera un dégagement de Boychuk. Et attention, Marchand s'empare de la rondelle et Markov doit venir lui enlever là, dans le coin, à la gauche de Price. Desharnais remet derrière à Markov. La passe du revers à Pacioretty. C'est Bergeron qui reprend. Remet vers Chara. Le dégagement est raté. Vanek intercepte. Vanek soudainement a de l'espace. Choisit de remettre à Markov, à Vanek. À Desharnais, le tir! Un arrêt de Rask! Un geste d'instinct! Un jeu magnifique préparé par Markov et Vanek. Desharnais frustré par tout Karas. C'est un arrêt du gardien des Bruins. Et là, c'est Vanek qui fait dévier. Krejci reprend et rejette du revers en territoire de Montréal. Piquet Subban reprend le disque. La remise au centre. Pacioretty lui retourne cette rondelle. Subban, il va d'un dégagement du côté de Markov. Il s'amène dans le coin avec Boychuk. Voilà Gallagher qui s'amène à son tour. Repoussé sur la glace par Bartkowski. Le dégagement réussi à l'autre bout derrière Plekanec qui était venu couvrir la ligne bleue. Avec l'avance de Markov là en territoire des Bruins. 50 secondes à la pénalité à Dougie Hamilton. On aura Plekanec au centre qui s'amène. Et pour lui-même finalement reprend par la rampe, remet vers Gallagher. Elle est via Beaulieu. Et le disque ira jusqu'à Subban. Tire! Marque dans la cour! Ah, quelle chance ratée! Incroyable! Gallagher, une deuxième fois ce soir! Oh, j'ai hâte de revoir à la reprise. Beaulieu vers Subban. Subban dans le cercle des mises en jeu. Remet la rondelle derrière la ligne des buts. Gallagher passe à Brière et à Plekanec ensuite. Plekanec remet à Brière. À Plekanec. À Beaulieu. Beaulieu retourne le disque à Plekanec. Le long de la rampe, les Canettes à Beaulieu. 7 secondes à la pénalité. La passe à Subban. Remet dans le filet. Le disque est allé tout juste à la gauche. Et Gallagher, un autre tir bloqué par Rask. Brière reprend et perd le disque à Miller qui va d'un dégagement à l'autre bout. Et ce sera refusé aux Bruins au moment où Hamilton sautait dans la mêlée. Mais là, on a vu l'effet Beaulieu sur l'attaque à 5, Marc. Oui, absolument, sur la deuxième vague d'attaque à 5, alors que Piquet Subban y demeure. Il va décocher un tir, d'ailleurs, Subban. Un tir violent lorsque Gallagher lui remet ce disque. Mais regardez l'occasion, la chance ratée par Gallagher. Et il le sait, regardez-le, regardez, vers les hauteurs du Centre Bell. Il a raté le filet béant. Et le jeu reprend. Le disque est repoussé dans le coin par Georges. Alors, plaqué par Campbell. Finalement, le disque va à Heller qui le remet à Weaver. Tire de Weaver, bloqué devant le filet. Et le dégagement par Miller avec la main. Il faut dire que quand la rondelle est touchée à l'extérieur,
le jeu est rappelé. Oui, absolument. Les Bruins qui s'en tirent bien parce que suite au dégagement refusé, après, tout de suite après la pénalité à Hamilton, on avait trois défenseurs et un quatuor qui avait écoulé les derniers instants de la pénalité, très fatigué. La passe, donc l'origine de la passe avec la main, c'est dans le territoire défensif. Lorsqu'elle est récupérée de l'autre côté de la ligne bleue, comme tu l'as mentionné, Pierre, ça devient un jeu qui est refusé. C'est pour ça qu'on ramène tout le monde en territoire des Bruins. Marceleur à la mise en jeu, devant Patrice Bergeron. Bergeron l'emporte, la rondelle se retrouve derrière le filet. Klug avec une passe à Marchand. Brad Marchand remet le disque à Klug. La remise à Riley Smith ensuite. Finalement, c'est Gionta qui reprend cette rondelle. Gionta à Weaver. Un dégagement de Weaver qui passe par-dessus Boychuk et le disque se retrouve à l'autre bout. C'est refusé aux Canadiens. On reprendra à la droite de Carey Price. Ouais, Benoît, vous en parlez après la première période. C'était très convaincant du côté de Georges Yemelin. Un peu moins facile pour Mike Weaver ce soir. C'est lui qui est responsable du dernier dégagement refusé également. Alors Bergeron est installé dans le cercle déjà devant Heller. Heller l'emporte. Weaver remet vers Georges. Georges tente la passe pour Bourque. C'est raté. La rondelle revient derrière la ligne des buts. Klug s'est avancé pour appuyer l'attaque. Georges reprend, remet finalement la rondelle derrière lui à Gionta. Gionta traverse le centre, passe à Heller. Heller cherche une option, sa passe est bloquée. Smith reprend le disque et le remet à sa droite. Tire de loin de Bergeron. Le long retour va vers Marchand sur la rampe. La rondelle revient au centre. Gionta repousse derrière. C'est Chara qui remet ensuite à Hamilton. À Chara. Daniel Chara tente le long jeu. Près du banc des Bruins. Voilà Lucic qui s'amène avec la rondelle le long de la rampe. Lucic est rejoint par Markov. Contourne le filet. Freine aux dépens de Markov. Rejoint par Bournival qui le plaque. Bournival tombe, mais a quand même fait son travail. Gionta fait dévier le disque et le jeu va se poursuivre. La rondelle a été déviée à nouveau sur un bâton des Blues. C'est Hamilton qui remet à sa droite. Vanek en échec avant. Hamilton reprend et cette fois la passe atteindra son destinataire à l'autre bout. Krejci s'avance, veut remettre Lucic, c'est raté. Voilà Chara maintenant qui s'avance à son tour, mais perd la rondelle. Elle échappe cependant à Vanek. Le Canadien était tout près d'un 2 contre 1. Vanek Bournival. Bournival intercepte le dégagement. La passe à la ligne bleue échappe à Brière et le disque revient en zone neutre. Weaver avec une passe devant. Voilà Bournival qui remet d'une main vers Brière. Cage très dur de Chara à l'endroit de Bournival. Il retourne au banc difficilement. Oh, il y a un tir de Beaulieu qui rate la cible. Beaulieu encore, une belle passe. Et la rondelle va dévier à la droite de Rask. Et un 3 contre 2, 3 contre 2, pardon, pour les Bruins. Voilà le tir. Oh, Price fait un arrêt du bout de la jambière au dépens de Krejci. Brandon Prost rejette la rondelle à la ligne bleue adverse. C'est intercepté par Weiss. Dale Weiss remet le banc de filet. Le disque a touché le patin de Prost. Et voilà Fraser qui cherche à reprendre, mais perd la rondelle à la ligne bleue de Montréal. Beaucoup de mouvements, beaucoup de rythme en début de deuxième. Subban transporte la rondelle, projetée sur la patinoire par Bartkowski. Subban se relève, vient freiner la sortie de Soderberg. La rondelle va, Gallagher, oh, le tir, dévie sur Brière derrière le filet. Et on entend le sifflet. Qu'est-ce qui a créé cet arrêt de jeu? Piqué Subban sera chassé. Bâton élevé, tu parles. Juste que Subban a retenu le bâton de l'adversaire. C'est la raison pour laquelle... Montreal penalty, number 76. 2 minutes for holding the stick. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est en territoire central. Oui, exactement. Il était derrière le jeu, a vu toute l'action. On juge que c'est Subban qui a arraché, qui a retenu le bâton de Soderberg le long de la rampe suffisamment longtemps pour que Prost repère Gallagher dans le haut de l'enclave. Oui, mais la reprise donne raison à l'officiel, Marc. Oui, absolument. Alors voilà une porte qui s'entrouvre pour les Bruins, eux qui ont raté leur première occasion. Il n'y avait pas eu de tir d'ailleurs lors du premier jeu de puissance. Alors pour Boston maintenant en série, c'est 8 en 29. Les Canettes gagnent la mise en jeu. Georges remet le long de la rampe. Le dégagement de Gionta a été bloqué d'abord par Riley Smith. Mais Gionta se reprend à la deuxième occasion et oblige les Blues à revenir à leur ligne bleue. Smith saisit, Weaver reprend la rondelle, la remet à Gionta, qui pousse un peu plus loin. C'est Soderberg qui reprend dans son territoire.
à Smith. Dégagement derrière Price. La rondelle glisse jusqu'à Bergeron. La remise arrière ensuite. Hamilton à Smith, à Hamilton. C'est récupéré par Bergeron à Eriksson, à Söderberg. Tire de Bergeron. Il rate à la gauche et par-dessus le filet. Et ensuite, la rondelle touche le filet protecteur directement d'ailleurs. Et c'est pourquoi la mise en jeu va se faire en territoire neutre. Le Canadien en première période en écoulant son infériorité numérique avait même gagné en momentum. Mais pour l'instant, on neutralise très bien le jeu de puissance des Bruins. Là, on verra la première vague cependant du côté des Bruins avec Chara devant Price pour l'ennuyer. C'est gagné par Heller. La rondelle ira jusqu'à Yamelin qui complète le dégagement. Une rondelle touchée au vol par Krejci, mais plus haut que la hauteur permise. C'est pourquoi le jeu est rappelé en territoire de Boston en supériorité numérique. David Krejci, un peu comme Max Pacioretty l'avait fait avant le dernier match, a un peu fait son mea culpa. Hein. Il a dit qu'il voulait se mettre en marche également. Claude Julien nous en parlait lorsqu'on l'a rencontré avant le match numéro 5. J'aimerais bien pouvoir compter sur l'apport offensif de Krejci. Cependant, le trio des Bruins est capable de s'imposer au niveau de l'échec avant. C'est ce que Lucic fait surtout sur ce trio, Pierre. Oui, c'est ça. Ce sont quand même de bonnes minutes dans la zone offensive. Ouais. On ne réussit pas à compléter au rythme qu'on souhaiterait. Ben, c'est tout un travail de Heller là, qui vient de gagner 5 ou 6 secondes. Une minute avant le retour de Subban. Les Bruins se regroupent à leur ligne bleue. Une passe vers le centre. Beau jeu de Markov. Et Pacioretty saute sur la rondelle. La feinte veut revenir devant le filet. Qui a été retenu, mais la foule a bien vu la situation. Mais l'arbitre, surtout, lui, juge qu'il n'y avait aucun problème sur la séquence. On va revoir d'ailleurs. Pacioretty va s'emparer d'une rondelle libre en territoire central. C'est de l'excellent travail de la part de Lars Eller. Pacioretty aurait aimé qu'on sévisse contre Torrey Krug, mais lorsqu'il tente sa manœuvre, il envoie cette rondelle un peu trop loin et Ginla la récupère. Il s'occupe de la relance pour les Bruins. Et on a bien vu, Krug n'a pas agrippé le chandail, il n'a pas eu n'a pas non plus enlacé, là, en quelque sorte, le joueur adverse. Ça, c'est toujours la référence. Alors, c'est Plekanec à la mise en jeu devant Bergeron. 39 secondes avant le retour de Subban. C'est gagné par Bergeron. Voilà Hamilton qui reprend. La passe dans l'enclave à Bergeron, à Hamilton, à Krug. Vers Marchand ensuite. Marchand remet à Smith, à Marchand, à Bergeron. La rondelle lui échappe et elle revient. Il y a un tir qui rate de loin. Il faut dire que l'angle était pas mal restreint là pour Brad Marchand. Et encore un disque qui donne sur le filet protecteur sans avoir dévié. Ça veut dire mise en jeu en zone 2. Et là, il va falloir se méfier du côté du Canadien parce que je sais qu'on aime bien tous ces plongeons pour tenter de récupérer des rondelles. Mais lorsqu'on rate la rondelle, comme ça a été le cas pour Weaver, ça ouvre la porte. C'était un 3 contre 1, ça, devant le filet. Heureusement pour le Canadien, Marchand qui va complètement rater la cible. Pour revenir tantôt au geste de Krug sur Pacioretty. Si Pacioretty va d'une charge directe au filet et que là, Krug l'ennuie de cette façon, peut-être que tu forces l'officiel à lever le bras. Mais pas lorsque tu tentes, tu retraites dans le haut de l'enclave et que le joueur des Blues récupère facilement une rondelle. Voilà un dégagement intercepté au centre et les Bruins s'en tirent peut-être bien parce que Heller s'était démarqué en territoire adverse. S'il saisissait, il pouvait s'échapper seul. Le tir neutralisé devant le filet. La rondelle va dévier tout doucement à la droite de Price. Voilà Subban qui est de retour. Et c'est Georges qui reprend la rondelle dans le coin. Georges plaqué par Fraser. Söderberg s'amène, reprend le disque et le remet vers Eriksson. Eriksson passe à la ligne bleue. Une passe, Söderberg tente de remettre plus loin, c'est dévié. Et Subban pousse la rondelle vers le centre, mais fait une chute ensuite. Et c'est Söderberg en contre-attaque. Le tir repoussé par Price avec le bouclier. Söderberg reprend, rate son jeu pour Eriksson. Miller saisit à la ligne bleue du Canadien. Miller devant Subban, remet à Söderberg. À nouveau à Miller. Miller hésite, remet ensuite dans le coin de la patinoire. Reprend la rondelle des mains d'Eriksson. Kevin Miller tire dévié par Subban. Eriksson reprend, remet derrière lui. Et le tir ensuite de Söderberg qui est bloqué devant le filet. Eriksson reprend à Miller. Kevin Miller se déplace le long de la ligne bleue. Là, le facteur deuxième période permet l'arrivée de Lucic pendant que l'attaque se poursuit. Söderberg remet derrière à Lucic. La rondelle revient à Miller. Il hésite. Subban rate la rondelle. Miller s'avance. Et le tir passe finalement. Lucic qui rate à son tour. Une chance en vente.
réussi à faire dévier derrière. Et Georges qui intervient à son tour avec un filet ouvert. Georges dans le coin avec Miller. Voilà, Lucic maintenant derrière le filet vient plaquer durement Weaver sur la rampe. Et Lars Eller, il va d'un dégagement capté au centre par Iginla. Il n'y a que Subban qui réussit à retourner au banc. Un tir repoussé derrière le filet par Price. Ça revient le long de la rampe. Krejci cherche à reprendre. David Krejci attire Georges. Remet la rondelle à Chara. Chara avec une feinte. Passe la rondelle dans le coin. Et là, c'est un plongeon de Eller. Et le disque qui revient derrière le filet. La rondelle va à Giunta. Un dégagement annulé par Chara. Il pousse vers sa droite. Wojciech intervient juste à temps. Le jeu se poursuit. Le Canadien incapable de quitter son territoire, mais va le faire grâce à Giunta qui passe à Pacioretty. Pacioretty remet ensuite vers Gallagher. Gallagher attire Lucic. Lucic lui enlève la rondelle, la remet derrière le filet. Pacioretty gagne sa bataille à Gallagher. Et ensuite devant le filet pour Dernier. C'est raté de justesse. Lucic en contre-attaque. Oh, plaqué par Markov. Quelle mise en échec de Markov. Bien calculé. Là, c'est Gallagher qui passe vers Bournival. Il contourne Krug. S'amène derrière au dépens de Miller. Smith maintenant défié le long de la rampe. Oh, Bergeron passe à Marchand qui est seul. Mais la passe manque de précision. Price intervient. Et l'arbitre bloque la rondelle. Et devant le filet, c'est repoussé un peu plus loin. Et il y a un arbitre qui respire un peu mieux. Nikolic tassé par Miller. C'est Bergeron qui remet ensuite le long de la rampe. Bournival reprend. Passe à Subban. La fin. Le tir. C'était une passe visée, en fait, vers le devant du filet. Mais la rondelle sera récupérée par Patrice Bergeron. Bon, c'est tout un match de hockey ce soir, ici au Centre Bell. Oh, beaucoup d'action. Là, c'est Marchand qui remet derrière. Georges reprend la rondelle et la remet vers Subban. Subban à Georges maintenant. Longue passe de Georges. Dévié sur le bâton de Vanek. Qui va reprendre, mais Paillé s'amène pour le tasser sur la rampe. Vanek qui va quand même d'un tir. Et le retour va vers Bournival. Et Vanek est là. Et le dégagement le long de la rampe sera repris au centre finalement par Brière aux dépens de Thornton. Et là, c'est Prost qui voulait la rondelle. Wojciech le rejoint cependant. Prost vient le tasser sur la rampe. Et le disque revient derrière la cage des Bruins. Voilà Bartkowski, plaqué par Weiss. Le long jeu du côté gauche vers Wojciech. Il est tassé par Price. Et un dégagement de Campbell en territoire du Canadien. Price remet derrière. Campbell en échec avant. Paillé également. Chute de Weaver. Et c'est Dale Weiss qui reprend et remet à Prost. Prost tente la passe pour Brière. Brière remet la rondelle, mais la perd à la dernière seconde en voulant remettre à Prost. Paillé plaqué par Weiss. Et au centre, c'est Yemelin qui reprend et retourne la rondelle en territoire des Bruins. Eh bien, 8 minutes 25 à la période. C'est vraiment un match spectaculaire jusqu'ici. Yemelin reprend le long de la rampe. Eriksson veut saisir le disque, c'est raté. Tory Krug va reprendre dans son territoire. Krug entouré de deux joueurs. Le dégagement touché par Giunta. Matt Fraser reprend. Le héros du match numéro 4 ici. Fraser repoussé derrière le filet. Price capte la rondelle, provoque l'arrêt du jeu. Une séquence vraiment époustouflante qui s'arrête avec 8 minutes à faire à la deuxième période. Vous regardez le hockey des Canadiens, Coors Light, à l'antenne de Airtel Évidence au cours de ce long dernier segment, Marc. On a choisi deux séquences cependant très révélatrices des derniers instants. Les Bruins ont dominé dans le territoire du Canadien, mais Price y va de son meilleur arrêt lorsque Lucic a pourtant un filet qui semble abandonné. Toute une mise en échec de la part de Markov contre Lucic. Ces mises en échec font mal parce que Lucic ne peut pas bénéficier de l'appui de la baie vitrée, lui. Souvent dans le dos, lorsqu'on est frappé de cette manière en entrée de territoire, ça laisse des traces. Lucic n'était pas très content après cette mise en échec, je peux te le dire bien. En tout cas, ça a été tout un dernier segment et on retrouve l'ambiance du match 3 ici. Je pense que tu es d'accord, Marc. Tu dois le sentir, toi, au niveau de la patinoire. Absolument beaucoup d'énergie du côté du banc du Canadien. On a passé près de se faire prendre avec trop de joueurs sur la patinoire. On se crie, on se donne beaucoup d'informations. Très énergique, le Canadien, ce soir. Söderberg avec une passe du revers vers le devant du filet. C'est raté par Eriksson. La rondelle va glisser derrière Price. Miller quitte sa position. Remet derrière. Söderberg s'amène à la ligne bleue du Canadien. Yemelin bloque avec le patin. Markov reprend. Markov avec tentative de passe à la ligne bleue. Et finalement, la rondelle touche un joueur au banc des Bruins.
Alors, on a beaucoup de choses demain soir. Tout d'abord, Hockey 360. Ça commence à 18h30, évidemment, animé par Marc Labrecque. Et ensuite, on a le match décisif entre les Rangers et les Pingouins à 19h sur les ondes de RDS. Et dès 21h, les Blackhawks pourraient éliminer le Wild. Mais le Wild, difficile à battre à la maison. 21h sur RDS 2. Voilà notre soirée de hockey que nous vous proposons sur nos deux antennes demain soir. Voilà Subban avec la passe le long de la rampe. Le disque va devant le filet. C'est repris par Zdeno Chara. Chara qui a remis à Krejci. David Krejci avec un dégagement derrière Georges. Georges qui reprend, remet à Subban. Heller qui attendait la rondelle, elle n'est jamais venue. Lucic a bien joué dans le coin. Lucic maintenant bataille avec Subban. Price remet derrière à Georges. Georges qui va d'un dégagement par la rampe. Et la rondelle va bondir en territoire de Boston, où elle est reprise par Zdeno Chara avec exactement 7 minutes à faire. Subban reprend et rejette à nouveau en territoire des Bruins. Devant le filet, Hamilton passe à Lucic au centre. Lucic remet la rondelle à Iginla, derrière à Krejci. Krejci tire! Oh, Price fait l'arrêt. Un tir violent, assez haut. Price était prêt et ne donne pas de retour. La marque est toujours Montréal 1. Mon cher Marc, le Canadien avait remporté le match 6 ici 2 à 1. Et voilà la liste des joueurs qui étaient en uniforme ce soir-là. Ouais, Price avec 31 arrêts. Brian Gionta qui avait marqué le but gagnant. Malheureusement, ça brasse aussi de mauvais souvenirs pour les partisans du Canadien hier lors de ce match numéro 7. Ouais, le fameux filet ouvert raté par André Costitine en prolongation. Et le but de Nathan Horton qui a mis fin à la série en deuxième période de prolongation. 6-46 à faire à la deuxième ici. 15-15 les tirs au but. 1-0 Montréal. On devra reprendre la mise en jeu à la droite de Carey Price en chassant les Canucks. Et Vanek s'amène devant l'un des meilleurs du circuit, Patrice Bergeron. Hoychuk saisit. Tire dans le coin. Marchand s'empare de la rondelle devant Markov. Un pivot devant Bournival. Et un tir dans un angle impossible. Et Price aura le dernier mot en gardant le disque en sa possession. On a vu ce soir des Canadiens très énergiques depuis le début de la rencontre, mais des Bruins beaucoup plus convaincants en deuxième période. On a été capable d'appliquer plus de pression et surtout des présences soutenues dans le territoire du Canadien. Les Bruins qui semblent avoir le dessus depuis le début de la deuxième période au chapitre des chances de marquer également. Les Bruins qui ont l'habitude, Marc, d'intensifier leur attaque à mesure que le match progresse. Voilà Marchand derrière le filet. Marchand remet à la ligne bleue. Hoychuk qui va d'un tir qui est bloqué. Oh, Vanek a presque failli s'échapper avec la rondelle, mais elle a tout simplement dévié à sa droite. Et là, Vanek remet vers les canettes à Bournival. Oh, il est rejoint par Bergeron. Il n'y a eu de franc là sur les trois étapes qui ont mené à ce segment. Brière saisie près de la ligne bleue. Vanek est toujours là et va poursuivre derrière la ligne des buts avec Hoychuk. Brière revient aussi près de Hoychuk qui réussit le dégagement par la rampe. La rondelle est libre au centre et elle est captée par David Krejci. Krejci est rejoint par Prost. La rondelle va à Weaver qui la remet à Prost. Prost choisit la passe vive à Georges. La rondelle lui échappe. Lucic intercepte à la ligne bleue. Lucic, il va d'un tir. Weaver bloque la remise à Georges. Il tente le dégagement et la rondelle ira jusqu'à Miller. Voilà Weiss maintenant qui s'amène en échec avant avec Miller. Miller plaqué par Prost par la suite. Et la rondelle libre sera récupérée par Torrey Krug. Krug rate son jeu et ça donne la rondelle à Prost. Prost attend de l'aide à Brière. Le tir, c'est dévié. Et la rondelle va donner ensuite sur le filet protecteur. C'est Miller qui est venu à la rescousse de son gardien. C'est toujours 1-0 Montréal. Vous regardez le hockey des Canadiens, Coors Light à RDS. Brandon Prost et Dale Weiss font le travail qu'on attend d'eux, Marc, et ça provoque même quelques ouvertures pour Daniel Brière. Absolument, les deux ailiers font le travail. Krug a peur lorsqu'il rate son premier jeu. La rondelle est libre parce qu'il pensait se faire frapper par Dale Weiss. Brandon Prost récupère cette rondelle, la refile à Daniel Brière. On avait un angle parfait ici du banc du Canadien. Il y avait de l'espace côté supérieur de la mitaine. Et Kevin Miller bloque le tir et le fait dévier dans le filet protecteur. Alors le jeu va reprendre à la droite de Rask. On verra Dernay et ses alliés pour le Canadien. Le tir de Beaulieu est bloqué. Et Weaver retourne avec le patin. La rondelle revient à Soderberg. Soderberg et Bergeron étaient là pour la mise en jeu.
Mise en jeu importante. La Soderbergh contourne le filet. Remet la rondelle à Hamilton. Son tir dévié. Et ensuite, Price qui intervient en fermant la porte aux dépens de Bergeron. Chara va reprendre et remet à Hamilton. Et voilà ensuite le tir qui dévie vers Eriksson derrière le filet. Bergeron reprend. Eriksson à son tour. Remet à la ligne bleue à Hamilton. Le tir de Hamilton dévie. C'est intercepté ensuite par Beaulieu. Oh, qui remet vers Pacioretty. Pacioretty, tire et la vie! Série Nathan Beaulieu, c'est pour la relance. Longue passe. Rask hésite parce que la rondelle est bondissante. Chara n'est pas assez rapide pour la récupérer. La rondelle avait bondi sur le gant d'Eriksson. Pacioretty en profite pour protéger cette rondelle et la glisser entre les jambières du gardien qui était pris. Il était pris entre deux zones. Il ne savait pas s'il devait intervenir ou reculer pour accepter l'échappée. Nathan Beaulieu avec une mention d'aide. Pacioretty s'inscrit finalement à la marque dans cette série, Pierre. Nathan Beaulieu qui est absorbé complètement par la reprise du jeu. C'est son premier point, évidemment, en carrière, en séries éliminatoires. Mike Weaver contribue également au deuxième but du Canadien, le deuxième de Pacioretty. Et voilà Bourque qui va d'un tir. Rask fait l'arrêt et ne donne pas de retour là-dessus. Claude Julien nous en parlait, Michel Therrien également, la relance. Et oui, on veut étirer le travail en échec avant des Blues. On l'a fait en première période avec succès, avec Gionta, Subban qui repère Pacioretty également pour une entrée de territoire en possession de rondelles. Markov l'a essayé également, des jeux par la rampe, pas des passes directes. Celle qui a connu le plus de succès, c'est le but de Pacioretty. Voilà un dégagement derrière Georges, le jeu va se poursuivre. Subban reprend la rondelle, Subban qui remet vers la gauche. Le disque échappe à Bourque, mais réussit quand même à remettre un peu plus loin. C'était trop long pour Heller. Longue passe de Krug vers Krejci. Le disque va jusqu'à Price. Oh, qui remet vers Bourque, mais Bourque finalement est rejoint par Miller. Ça a failli réussir là encore. Et à l'origine, c'était le gardien. Subban reprend au centre. Voilà le dégagement. Derrière la ligne début en territoire des Bruins, c'est Miller qui remet le long de la rampe. Le disque va à Lucic. Milan Lucic remet vers sa droite. Iginla derrière à Krejci. Krejci passe à son défenseur Barkowski. À Krug, le tir par-dessus le filet. Lucic reprend vers Hamilton. C'est trop long. Et Vanek s'amène avec Plekanec. Repli de Krejci. Vanek freine, tente le tir. C'est bloqué par le défenseur. Et ensuite Rask qui intervient en apercevant la rondelle sautillante et met fin à ce revirement qui aurait pu donner un troisième but aux Canadiens. Vanek s'en veut, je pense qu'il réalise qu'il aurait pu continuer sa course et décocher un tir. C'est un fin marqueur. Il veut rejoindre Plekanec cependant. Krug fait un excellent jeu, mais Bournival, ou Markov, pardon, réussit à mettre le bâton sur cette rondelle. Le tir faible est cependant facilement maîtrisé par Koukaras. Claude Julien revient avec Patrice Bergeron. Campbell est là aussi sur la patinoire. Chaque mise en jeu à la droite de Rask, on envoie Bergeron systématiquement. Et Prost est là, lui. Devant Bergeron. C'est gagné par Bergeron. Boychuk remet le long de la rampe alors que Paillet s'empare de la rondelle. Au centre, Markov intercepte. Remet à Brandon Prost qui relance l'attaque. S'amène avec Brière. Contourne Boychuk. Évite en tombant la mise en échec de Paillet. La chute de Prost, il a peut-être épargné d'une douleur de plus. Là. Bataille à 4 derrière Rask. Et finalement, Brière ne lâche pas entre les deux joueurs des Blues. Oh, Prost remet pas, mais Bergeron fait tout un jeu pour intercepter devant son gardien. Voilà Boychuk à la ligne bleue. L'arbitre siffle cependant. Ah non, il y a pénalité. L'arbitre a levé le bras. Quel sera le verdict? On pointe vers Gregory Campbell. Alors, c'est un bâton élevé pour Campbell. Oui, seulement 2 minutes cependant, il a atteint Andrei Markov.
avec le bâton directement au visage alors que Markov repoussait cette rondelle. On a vu de l'autre côté, hein, travail conjugué de Weiss et de Markov pour appliquer une solide mise en échec contre Boychuk également. Canadien en supériorité numérique. Alors le Canadien 0 en 1 ce soir, il y avait eu deux tirs précédemment. Le rendement est maintenant de 8 en 30 pour Montréal. Le trio de Desharnais est là. Cependant complété par Vanek. C'est bien lui là à la gauche, oui. Et les arrières seront Subban et Markov, évidemment. C'est gagné par Desharnais. Markov, feinte, passe à Vanek. Vanek à Subban. Subban, avec une rondelle flottante, choisit de revenir sur ses pas. Il y avait évidemment Chara devant lui. Alors Subban a joué de prudence. Voilà Markov qui reprend. Markov se déplace vers la ligne des buts. Desharnais veut faire dévier devant le filet. Mais tout Carrasque va saisir le disque et provoque l'arrêt du jeu. Il semblait y avoir un léger manque de communication. Markov et Vanek là, ont tenté de se donner certaines instructions lorsque un des deux défenseurs va descendre très bas. On veut une formation 1-3-1 pour vraiment attaquer le filet de Toukarasque. C'est sans succès jusqu'à maintenant, mais on tente de nouvelles stratégies là, à ce niveau-là. Et là, on a fait la permutation chez les défenseurs. Ça a servi le Canadien. Voilà le tir de Markov. Reste dans le coup. Filet ouvert. Et le tir est le but. Pendant les derniers jours, Pacioretty et Vanek. Après que Pacioretty ait fait scintiller la lumière rouge, au tour de Vanek de le faire. Et regardez la bataille devant le filet de la part de Pacioretty. Contre trois chandails blancs, ne peut utiliser son bâton, utilise ses patins pour récupérer cette rondelle. C'est finalement Vanek qui en profite devant Kevin Miller, déjoue Toukarasque, étendu de tout son long à la grande joie du directeur général, Marc Bergevin et ses acolytes. Eh bien, Vanek marque en supériorité, son quatrième des séries éliminatoires. Et le jeu reprend avec 2 minutes 13 à faire maintenant à la deuxième période. Lars Eller, le long d'année, surveillé par deux joueurs des Blues, Marchand en tombant, remet la rondelle au centre. Riley Smith la rejette derrière Georges. Les deux joueurs sont là derrière la ligne des buts. Finalement, Subban reprend. Subban qui a été plaqué durement par Bergeron, perd son bâton, passe avec la main et le jeu sera rappelé. Encore une fois, le travail en supériorité numérique. Les deux défenseurs sont prêts à décocher des tirs sur réception de Subban à Markov. Le tir sur réception est décoché. Rask ne peut s'en emparer. Le travail colossal de Desharnais et Pacioretty devant le filet. Vanek en profite. Le Canadien prend une avance de 3 buts. Alors le jeu va reprendre en territoire neutre. Plekanec devant Soderberg. Et la rondelle ira le long de la rampe à Yemelin qui passe à Markov. Markov remet à Dale Weiss. Weiss tire de loin. La rondelle glisse jusqu'à Hamilton. Voilà Plekanec qui reprend maintenant. Rejette la rondelle dans le coin. Weiss cherche à empêcher la sortie des Blues. Et le disque est repoussé par Fraser. Yemelin en repli réussit le dégagement au centre. On doit attendre la sortie de Fraser. Et dès que c'est fait, Hamilton rejette le disque en zone de Montréal. Voilà Eriksson derrière à Bartkowski. Du côté droit à Hamilton. À Soderberg ensuite. Soderberg remet derrière lui. Le disque va glisser derrière Price. Bataille Fraser, Yemelin. Bartkowski retourne le disque derrière le filet du Canadien. Markov. Il va d'un dégagement. Hamilton jongle avec le disque. Le disque a quitté la zone. Et les Blues également. Et le jeu est transporté ensuite en territoire de Boston. Un dégagement avec 52 secondes à faire à la deuxième période. Longue remise du revers pour David Krejci. Krejci remet devant. Lucic va d'un tir. C'est bloqué cependant par Gallagher. Le dégagement suit. Et le jeu va se poursuivre alors que Chara reprend une rondelle qui s'est immobilisée là presque complètement avant la ligne des buts. Lucic reprend le disque avait dévié sur le bâton de Gallagher. Lucic passe devant. Le disque bondit. Super Barrett Price. Et Chara qui perd la rondelle. Et on aura un 2 contre 1. Et un 3 contre 1.
droit même. Pacioretty tire, le retour donné par Rask, mais le gardien saute sur le disque ensuite pour empêcher Gallagher ou Desharnais de s'emparer d'un retour. Bon arrêt de la part du gardien du Canadien d'un côté et 185 pieds plus tard, plus loin. Pacioretty, lui, qui décombre. Gallagher vient d'accompagner Desharnais également. Tir qui est cependant maîtrisé par Tukarask. Alors la mise en jeu va se faire à la gauche de Rask. On verra encore Patrice Bergeron. Cette fois, c'est Lars Eller devant lui. Et alors, oh! Regarde la mise en jeu, il va d'un tir directement pour le gardien. Et Jelta qui intercepte. Et un tir qui rate la cible. Voilà Eller maintenant. Il remet derrière le filet. Voychuk intervient devant Bourque. Voychuk avec un dernier moment. Et le Canadien va retraiter au vestiaire avec une avance de 3 buts et une ovation debout de la part des partisans ici au Centre Bell. Allons tout de suite retrouver Alain pour le sommaire de la deuxième période. Alors, deux joueurs qu'on attendait depuis le début de cette série ont donné les devants 3-0 aux Canadiens en deuxième. D'abord, Pacioretty, deuxième de Beaulieu et Weaver. Et en avantage numérique, Thomas Vanek, son quatrième de Pacioretty et Markov. 13 tirs par le Canadien, 10 par les Blues. 3-0 Montréal. Après deux, vous regardez le hockey des Canadiens, Coors Light à RDS. Nouvelles idées, nouvelles possibilités. Alors, on est de retour dans le studio Sport Expert. Messieurs, si la tendance se maintient, on retourne à Boston demain? Yes. Ben, je crois que oui. Ça ressemble beaucoup à ça. 3-0 pour le Canadien après 40 minutes de jeu. On va regarder quelques séquences que vous avez retenues. On va commencer, Mario, par le trio de Desharnais. Oui. Michel Therrien avait lancé un message à ses trois joueurs avant le match de samedi. Et là, c'est ce soir, finalement, qu'on les voit pour la première fois dans la série. Exactement. Je pense que Michel Therrien, quand même, n'avait pas d'autres alternatives. De leur lancer un message. Comme Michel a pas été tellement sévère, il dit oui, ça nous prend plus d'offensive de nos meilleurs joueurs. Et encore ce soir, en tout cas, le trio de Desharnais, Gallagher et Pacioretty. Pacioretty, ce que j'aime de lui, et également Gallagher. Regardez, lui, il n'arrête jamais de travailler. Il est souvent pris avec Zdeno Chara devant le filet. 5 pieds 8 versus 6 pieds 9. Mais c'est le travail qui paie des dividendes ce soir. Et c'est ce qui a donné justement de la difficulté. On voit le but ici en avantage numérique. Les deux défenseurs sont bien positionnés. Et Desharnais encore une fois devant le filet. Pacioretty avec ses patins. Et Vanek qui arrive par derrière pour inscrire le but. Alors, oui, ils ont du succès ce soir, mais c'est le travail qu'on voyait pas autant auparavant. Mais ce soir, ils le font très bien. Deuxième effort. Oui, c'est ça, Benoît, exact. Benoît, le Canadien était prêt à jouer le match oui. ce soir-là. J'ai gardé deux séquences, et peut-être deux séquences banales, mais pas la deuxième et la première. C'est une longue passe pour Gianta, et on va décocher un tir. On surprend la défensive des Bruins de Boston. Et la deuxième séquence, c'est sûr que c'est pas le plus beau but de parce qu'il y a eu un revirement. Mais quand t'es pas prêt à jouer, tu joues sur les talons. Ce genre de but-là, tu les marques pas. Parce que là, tu recules au lieu de pas commettre une erreur. Tu en as parlé un peu en hockey 360. Alors, tu recules, t'es pas trop sûr si tu vas y aller. Quand t'es prêt, t'es sur le bout des pieds, t'es prêt à aller chercher la rondelle qui est libre. C'est exactement ce qu'on a vu sur le but d'Heller. Et ça a donné le ton au match parce qu'après ça, le Canadien a pris le contrôle. Ouais. Pour une longue période en première période. Parce qu'avant ce but-là, les Bruins avaient eux aussi un bon début de match. Oui. Mais là, le revirement a un peu changé les choses oui. en faveur du Canadien. Mario, on va parler de Nathan Beaulieu. Son premier match, il ne semble pas du tout intimidé. Non, absolument pas. Je pense que Nathan Beaulieu a fait vraiment du bon travail. Et il y a plusieurs qui ont questionné. La seule chose ici, c'est une erreur de Weaver. J'aime pas voir un jeune défenseur se garroger sur la patinoire, surtout dans la Ligue nationale. Par contre, ce qu'il fait de bien, son coup de patin, on l'a vu entrer justement en zone offensive à quelques reprises en tapant avec son bâton sur la patinoire parce qu'il voulait avoir la rondelle. Et on l'a vu justement sur le but marqué par Pacioretty, une longue passe, celle qu'on voit présentement. C'est un peu chanceux, mais quand même, il avait aperçu Pacioretty et Max qui se présente seul devant tout le Torras et donne le deuxième but. Mais c'est Cyril la raison, on en a parlé beaucoup, Michel Therrien, Marc Bergevin et les entraîneurs, pour voir exactement si c'était une bonne idée d'amener le jeune dans la formation ce soir, parce qu'il y a plusieurs qui ont critiqué Michel Therrien. Ouais, mais pourquoi pas Bouillon? Pourquoi pas Murray? Regardez, je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Surtout à la maison, parce que c'est un défenseur qui bouge bien la rondelle, puis avant la pause olympique, là, il avait joué de l'excellent hockey. C'est son attitude quand il est retourné dans les mineurs qui a fait en sorte qu'on a rappelé Tenordi. Moi, je pense que s'il garde...
la tête, sa tête. Ouais, son sang froid. Il demeure sérieux, là. Puis il reste sérieux, puis il prend de bonnes décisions, puis il travaille fort. C'est un gars qui va jouer longtemps dans la Ligue nationale. Puis c'est un choix de première ronde également. Oui. Puis comme Ben a dit tantôt, si Crew a connu du succès, alors je pense que Nathan Beaulieu, dans un année rapproché, va l'en connaître aussi. Ouais. Mais on l'a dit après la première période, c'est probablement le meilleur match de série entre ces deux-là. Et il s'est donné quelques coups d'épaule dans cette rencontre. Et c'est ce que j'apprécie ce soir du côté du Canadien, parce que les Bruins ont puni le Canadien avec de bonnes mises en échec à Boston. Et lors des deux premiers matchs, même si le Canadien a gagné le match numéro 3, je trouvais que le Canadien n'avait pas fait mal aux Bruins de Boston. On n'avait pas pris le contrôle du match. Et ce soir, tout le monde était impliqué physiquement, que ce soit les défenseurs, que ce soit les attaquants. Et Mélène, oui, s'est fait peut-être frapper par Lucci. Ça lui a fait mal. Mais en bout de ligne, tu mets beaucoup de pression sur les attaquants. Et plus le match avance, je trouve que les Blues sont hésitants avec la rondelle. Là, on commence à regarder. Est-ce qu'il y a un joueur près de moi? Je regarde dans les airs. Là, tu fais pas tes jeux de la même façon. Tu as moins de temps pour réagir sur la glace. Et à ce moment-là, les Blues sont moins efficaces. Moi, je pense que le Canadien sert la même médecine que les Blues de Boston ont servi aux Canadiens au TD Garden à Boston. C'est ça. Alors, on voit, là, tantôt, tu mentionnais que il y a des joueurs des Blues qui sont sur les talons. Bien, il y avait des joueurs du Canadien aussi sur les talons à Boston. Alors, ce soir, mais encore une fois, moi, j'aimerais revenir sur Brendan Frost et Weez, qui frappe tout ce qui bouge ce soir, et ça donne le ton au reste de l'équipe. Si jamais le Canadien devait revenir et remporter cette série, il y en a peut-être un qui devra faire un meilleur coup de pas du côté des Bruins, c'est Milan Lucic. Encore ce soir, il a raté deux occasions, dont un filet complètement ouvert. Vous allez me dire, Price a fait un arrêt spectaculaire, mais depuis le début de cette série-là, combien de fois il a raté des occasions en or de marquer? Ça change des fois l'allure d'un match. On a parlé du bon début du match canadien, mais juste avant, la chance de Gionta et le but d'Heller. Deux contre un, Krejci s'amène. Et Lucic n'a même pas été en mesure de décocher un tir vers le filet. Et à 1-0, filet ouvert, Price réussit à mettre son bras sur la rondelle. C'est ça. C'est sûr que ce tir-là, moi, pour moi, aurait pu récolter au moins 7 à 8 points depuis le début de cette série. Au moins un point par match facilement. Sauf que Lucic, pas le joueur qui a les meilleures mains, a de la difficulté à finir dans cette série et ça fait mal. Et comme Marc Denis l'a mentionné avant le début du match, le point important, c'était qu'il fallait que Carey Price gagne son duel contre Tukaras jusqu'après deux périodes, mission accomplie. Alors, on est à 20 minutes d'un match numéro 7 dans cette série. Je vous rappelle la marque après 40 minutes de jeu au Centre Bell. Le Canadien qui allait devant 3-0 sur les Bruins de Boston. Alors, la troisième période va reprendre dans quelques instants. C'est 3-0 le Canadien après 40 minutes. C'est le match numéro 6 de cette série de deuxième tour. Roy Martineau vous présente les faits saillants de la deuxième. Deux buts en deuxième période de Nathan Beaulieu. Il va d'une longue passe qui dévie sur Erickson, mais rejoint Pacioretty qui glisse la rondelle entre les jambières de Rask. Ça doublait l'avance du Canadien. Un premier pour Pacioretty dans cette série. Puis en supériorité numérique, aidé de Pacioretty qui travaille avec acharnement devant le filet et de Markov, Thomas Vanek inscrit son troisième but en supériorité numérique dans cette série. C'est 3-0 le Canadien après 40 minutes. Et le match en chiffres vous est présenté après deux périodes par Dodge. Un premier point à son premier match en série. Une fiche de plus 2 pour Nathan Beaulieu en un peu plus de 5 minutes d'utilisation. 14 joueurs du Canadien avec au moins un tir. Pacioretty, le meneur, avec 4. Et si on maintient la cadence, ce serait le meilleur résultat dans le cercle des mises en jeu pour le Canadien face aux Blues dans cette série avec 58%. Et on pourrait finalement isoler 19 joueurs ce soir. Évidemment, ton voisin ne lui a pas joué. Mais je retiens entre autres, encore une fois, Mike Weaver. Un effort plus que louable avec 14 présences, 10 minutes 39, avec une passe, plus 2, 4 tirs bloqués, encore une fois. Alors, une bonne soirée de travail encore pour Mike Weaver. Et évidemment, il se retrouve un peu dans la mire également de l'excellente entrée en matière de Nathan Beaulieu. Et au niveau des statistiques, il est aidé énormément par la présence de Beaulieu, justement, à la fiche de plus 2, plus d'occasions de marquer lorsqu'il est sur la patinoire, parce que Beaulieu est à côté de lui pour relancer l'attaque, ce que Murray n'était pas capable de faire dans les derniers matchs. Bon, alors c'est reparti. Le Canadien devra quand même, on se le rappelle, se méfier des Bruins et ne pas lever le pied. Voilà un dégagement repris au centre par Boychuk et le dégagement récupéré par Georges dans son territoire. Subban hésite un peu devant Bergeron, remet la rondelle vers Vanek. Le disque revient au centre et Marchand s'amène en contre-attaque. Marchand tire. La rondelle se retrouve à la gauche de Price. Et là, Price qui voit le disque apparaître soudainement, met la mitaine sur la rondelle
et le jeu s'arrête. Pour enchérir sur ce que tu mentionnais, Pierre, le travail de Marc Bergevin pour faire l'acquisition de Weaver, un joueur très sous-estimé du côté du Canadien, Dale Weiss et Thomas Vanek, qui vient de s'inscrire au pointage ce soir, ont tous eu leur mot à dire jusqu'à maintenant dans les succès du Canadien en série 2014. Et le jeu va reprendre à la gauche de Carey Price. Lars Eller devant David Krejci. C'est gagné par Eller. Et le disque libre va à Yemelin qui évite, en grande partie du moins, la mise en échec de Lucic. Voilà Markov en attaque. Markov remet de l'autre côté. Eller tire. Rask fait l'arrêt. Donne un petit retour. Ressaute tout de suite sur la rondelle. Il y a eu une seconde d'espoir là pour... un attaquant du Canadien. Eller aurait bien aimé décocher Sir sur réception. La passe était vive. Peut-être un peu en avant de la marque également. Eller récupère cette rondelle-là et Rask qui jongle un peu avec avant de l'immobiliser. Marc Bergevin et tout l'état-major là, du Canadien. Dans une des suites ici au Centre Bell. Les entraîneurs des Bulldogs qui sont là. Les adjoints au directeur général également. Oui, c'est, on affiche complet là, au niveau de l'organisation. Lucic en relève à Krejci devant Desharnais. Et Lucic l'emporte. Krug remet le long de la rampe. Voilà Pacioretty qui saisit. Le tir va dévier dans le coin de la patinoire. Et c'est la bataille entre Miller et Gallagher. Pacioretty remet ensuite à Markov à la ligne bleue. Le tir dévie derrière le filet. Desharnais reprend. Et passe au devant, c'est raté de justesse pour Pacioretty. Il n'avait pas de couverture, on l'avait oublié. Mais la rondelle était difficile à saisir pour lui. Et là, Price, calmement, va récupérer cette rondelle qui revenait devant lui et empêche un retour. Il y aura mise en jeu à sa gauche. Évidemment, dans de pareilles circonstances, la prudence est de mise, mais le Canadien ne doit surtout pas lever le pied. On l'a appris à la dure lors du match numéro 2, une avance de 2 buts en troisième période, parce que les Bruins, assurément, ne baisseront pas les bras. Et je dirais même plus, je ne suis pas certain que les Bruins vont paniquer non plus, parce qu'ils sont... très au fait des succès qu'ils connaissent en troisième période. Pas de doute là-dessus. Et c'est vrai, autant en série, Marc, qu'en saison régulière. Voilà Weaver qui reprend et remet à sa droite le dégagement de Gionta, le disque récupéré par Chara. Oh, mais Bourque vient bloquer le dégagement, mais Chara se reprend et remet vers Eriksson. À Soderberg, tente de s'amener par le centre. La rondelle ensuite va derrière. C'est raté là par Fraser, mais il reprend. Oh, il y a un beau jeu encore de Weaver. Oh, il ne rapporte deux contre un. Et là, on n'a plus de bâton. Gionta s'amène seul, donc. Tente la feinte. Et le disque lui échappe lorsqu'il fait une chute. Bourque intercepte en échec avant. Et voilà Plekanec qui s'amène un peu tard. Contre-attaque Hamilton par le flanc droit. Tire. Price donne le retour. Et c'est Soderberg qui s'en empare. Et un tir bloqué par Nathan Beaulieu. Et un 2 contre 1, même un 3 contre 1 avec Plekanec qui tire. Oh, quel arrêt de Rask! Il perd la rondelle et le filet a été soulevé ensuite. Et l'arbitre va donner le bénéfice du doute aux Bruins. Il va faire connaître ses états d'âme. Nathan Beaulieu tente de chasser la douleur parce que le tir qu'il a bloqué, ça lui a fait mal. René Bourque n'a pas aperçu la rondelle dans l'enclave. Du côté des Bruins, oui, on s'en tire bien. Effectivement, on va donner le bénéfice du doute parce que Dougie Hamilton, lui, va... une petite feinte de perte d'équilibre pour Hamilton alors qu'il emporte avec lui le filet, cette rondelle qui était libre derrière le gardien de but des Bruins qui avait cependant effectué tout un arrêt sur le 2 contre 1, la passe transversale de la part de Vanek. Alors le jeu va reprendre à la gauche de Tuukka Rask. Pas très content au bord du Canadien, Pierre. On oublie ça, c'est reparti. Voilà une rondelle récupérée par Bartkowski. Et c'est Boychuk qui reprend avec un dégagement à la ligne bleue de Montréal. Subban reprend derrière son filet. Remet vers Georges et ensuite vers Weiss. Interception à la ligne bleue. Voilà le tir dans le coin. Subban remet derrière son filet à Georges. Voilà Weiss maintenant devant Bartkowski. Weiss ramène la rondelle au centre. La remet à Brière et un dégagement derrière Thornton qui sera récupéré par Bartkowski. À Boychuk, à Payet. Payet qui est rejoint près de la rampe. Voilà un long dégagement en territoire du Canadien récupéré par Yemelin. Alexei Yemelin remet derrière lui à Brandon Prost. De Prost à Markov, à Prost et à Yemelin. Ensuite, voilà une remise au centre à Brière qui fait dévier vers Weiss. Et un dégagement complété par l'attaquant du Canadien.
On revient avec le trio de Plekanec. C'est celui de Bergeron pour les Bruins. La rondelle est récupérée par Markov qui la remet en territoire de Boston. La passe de Miller est interceptée par Plekanec. Et à nouveau, une rondelle rejetée à l'autre bout. Voilà Bergeron qui remet du revers le long de la rampe vers Krug qui se fait voler la rondelle. Vanek la reçoit, mais dans les patins. Réussit quand même à remettre à Markov. Markov, une feinte. Tire. Oh, il reste dans le retour et pour Duval qui rate une belle occasion. Vanek remet à Yemelin à la ligne bleue. Et un tir qui rate à la droite du filet des Bruins. Un dégagement annulé par Markov encore à la ligne bleue. Et la rondelle qui glisse de l'autre côté. Krug réussit finalement le dégagement alors que Markov le reprend et remet aussitôt à Vanek, à Pacioretty. Le tir touche l'extérieur du filet. Oh, Vanek en fin de séquence avait flairé l'occasion, mais Pacioretty n'avait plus vraiment un angle qui lui permettait de marquer. Voilà Markov qui remet à Pacioretty et derrière à Subban. Markov retourne au banc fatigué, mais quelle présence. Et il aura pénalité au bronze. On a accroché Subban. Ce sera supériorité Montréal. Alors finalement, pour avoir fait trébucher, le bâton passe par là. Milan Lucic est chassé. Elle fait sauter les patins. À piquer Subban, un geste peut-être audacieux de la part du défenseur, mais il en est récompensé lorsque Lucic lui fait sauter les patins et qu'il est chassé. Vanek y va d'une superbe passe pour Pacioretty qui s'amène seul. Beaucoup de patience, mais on a perdu la rondelle également un peu. Devait attendre de récupérer cette rondelle. Plus d'espace, pardon, pour Pacioretty qui frappe l'extérieur du filet. Alors le Canadien 1 en 2 avec 4 tirs au but ce soir en supériorité. Au départ, on verra Desharnais devant Krejci. Le dégagement de Krejci réussi derrière Markov. La rondelle se retrouve derrière le filet de Price. Voilà Subban qui reprend. Long pass à Pacioretty. Pacioretty remet dans le coin pour Desharnais. Le disque lui échappe cependant. Et le dégagement de Eriksson est donc complet jusqu'au gardien. Subban relance l'attaque à 5. Le voilà au centre. Et un tir de loin derrière le filet des Blues. Desharnais s'avance, Boychuk remet cependant de l'autre côté. Interception devant le filet de Pacioretty à Subban, à Pacioretty et derrière à Subban. La remise vers le devant du filet. Le disque bondit devant Vanek et s'est rejeté à l'autre bout par Patrice Bergeron. Oh, un revirement qui aurait pu être fatal aux Bruins. Voilà Subban attendu à la ligne bleue par Miller. Le dégagement à l'autre bout, c'est Boychuk qui saisit. Remet le long de la rampe. Markov intervient. La rondelle va bondir au centre. Et Markov va la reprendre lui-même. Remet aussitôt à Gallagher. Plekanec, Gallagher, Brière. Les arrières demeurent les mêmes. Mais Markov sera remplacé maintenant par Nathan Beaulieu. Voilà Campbell qui reprend dans le coin. Campbell défié d'abord par Gallagher. Plekanec s'amène ensuite. Et le dégagement est annulé par Beaulieu. Sauf que son tir est bloqué par Payet. Et on devra revenir à la ligne bleue de Montréal. C'est Subban qui a la rondelle. Il la ramène en territoire des Bruins. Subban feinte, mais devancé du côté droit. Daniel Brière n'est pas d'accord, mais c'était bien serré, mais c'était assez évident, malgré tout. Nathan Beaulieu voulait cette rondelle également du côté gauche. Le juge de ligne lui signale qu'il était également hors jeu lorsque Subban a fait son entrée de territoire. Bref, on était des deux côtés, on était très anxieux d'entrer dans le territoire des Bruins. 33 secondes à la pénalité à Boston. C'est Miller qui saisit pour chasser par Brière. Et dans le coin, Gallagher s'amène trop tard. Bartkowski reprend. Et le défenseur, il va d'un dégagement complet. À l'autre bout, Price laisse la rondelle à Beaulieu. Beaulieu qui a dû freiner là devant Bergeron. Brad Marchand est là aussi. Voilà Plekanec qui saisit. La remise à Gallagher. Freine devant Krug. Remet derrière la ligne des buts ensuite. Le dégagement de Boychuk dévié par Plekanec. Beaulieu intervient. Remet derrière le filet. La pénalité sera terminée maintenant. Voilà Lucic de retour. Vous avez entendu Carey Price frapper de son bâton. Et Plekanec qui reprend maintenant. Un pivot. Plekanec remet à Brière. Le tir de Brière. Il rate la cible. Haut et à la gauche du gardien Tukarasque. Au centre, Lars Eller reprend. Eller qui est repoussé près de sa ligne bleue par Lucic. Eller ramène la rondelle vers le centre. Boychuk l'attendait de pied ferme. Eller l'a évité.
Voilà Higginla maintenant qui tente la passe. C'est bloqué dans un premier temps par Heller. Ça revient ensuite à Krejci dans le coin de la patinoire. Refoulé par Georges. La rondelle reviendra à Hamilton. La passe dans l'enclave. Hamilton qui reprend des mains de Krejci. Remet ensuite devant. Et Higginla qui rate la cible. Et Hamilton qui rate un filet qui était ouvert à la gauche de Price. Hamilton remet dans le coin. Lucic revient sur ses pas, remet à Chara. Le tir de Chara bloqué par Georges. Et voilà une passe le long de la rampe à Gionta vers René Bourque. Un contre un avec Chara. Chara qui rejoint Bourque. Bourque tente de ramener la rondelle, c'est fait. La passe à Gionta. Et ensuite, ça va plus loin. Voilà le tir de Plekanec. Et le retour qui échappe à Gionta. Filet ouvert à son tour. Et Plekanec qui intercepte en territoire des Bruins. Plekanec vers Gionta, fait dévier derrière Rask. Et voilà Prost qui s'amène, mais la rondelle lui échappe. Chara la reprend et remet au centre. Un dégagement en territoire du Canadien. À la gauche de Price, c'est Markov qui saisit et qui remet derrière lui à Weaver. De Weaver à Markov, au centre pour Weiss. Weiss s'amène devant Miller, garde sa course, remet derrière à Prost. Prost est rejoint par Eriksson. Tente de se profiler, mais Miller le repousse sur la rampe. Eriksson reprend le disque libre et le ramène à la ligne bleue. La passe du côté gauche à Bartkowski, qui se porte en attaque. La passe est bloquée cependant. Bâton qui traîne sur la glace. Pacioretty saisit. Là, il est seul pour l'instant. Jongle un peu avec le disque. Réussit à gagner du temps. Passe la rondelle vers la ligne bleue, mais elle va bondir au centre alors que Desharnais va la remettre à Subban. Un long détour dans son territoire pour Subban. Gagne encore quelques secondes de plus avec une avance de 3-0. Voilà la passe qui revient du côté droit. Georges tente de remettre à Gallagher. C'est dévié derrière Rask. Sortie du gardien. Dégagement. Bloqué dans le coin par Pacioretty. La passe à Desharnais. Desharnais à Gallagher. Gallagher tire. C'est bloqué. Et le retour va directement sur le bâton de Sean Thornton qui passe à Daniel Payet. Payet tire derrière le filet. Et le retour va à Gallagher. Gallagher rejoint par Thornton qui lui enlève le disque. Une fin de séquence pour l'attaquant du Canadien. Payet, la passe vers Campbell, mais hors jeu à l'entrée de la zone du Canadien. Et le jeu s'arrête. C'est Montréal 3, Boston 0. Vous regardez le hockey des Canadiens, Coors Light, à l'antenne de RDS. Alors, le Tour d'Italie se poursuit. La prochaine étape vous sera présentée à compter de 9h demain matin. Donc, soyez là. Jusqu'au 1er juin, vous pouvez suivre toutes les étapes. Une compétition donc qui reprend de 112 km entre les villes de Giovanizzo et Paris. Première étape en Italie pour le Giro. On a eu un Canadien en rose, 20 top, Pierre, tu le savais, hein? Ben écoute, c'est... c'est Michael Matthews, son coéquipier, qui est en rose pour l'instant. J'ai vu beaucoup la Formule 1 aussi au cours des dernières heures. Je te laisse ça, on partage les responsabilités, mon cher Marc. Voilà. Alors, je sais que tu es passionné de cyclisme. Voilà une rondelle qui revient vers le centre. Et c'est Bergeron en contre-attaque. La passe à Smith et le tir bloqué par Price. Et on va venir tout de suite faire un mur devant le gardien. Avec 11 minutes 2 à faire à la période. Price est parfait jusqu'à maintenant. 21 tirs des Bruins. On a passé bien près, mais on a raté des occasions du côté des Bruins. On a même frappé la tige transversale depuis le bâton de Louis Eriksson. Milan Lucic a passé bien vrai, mais Price l'a frustré avec tout un arrêt du bras droit. Très solide jusqu'à maintenant. On a limité les occasions et les retours de lancer surtout. Et du côté de Price et du côté de la défensive du Canadien. Plekanec devant Bergeron, c'est gagné par Plekanec. Markov retourne le disque derrière le filet. Voilà Vanek, la passe au centre. Et là, ben, c'est Bonival qui tire dans le coin, poursuit jusqu'à Krug. Bergeron s'empare de la rondelle libre et la remet vers Smith. Une passe vers Marchand, c'est trop long. Price intervient cependant pour empêcher Marchand de saisir le retour. Smith va reprendre le long de la rampe, derrière à Bergeron. Bergeron fait une chute et Yemelin lui enlève le disque, remet à Bournival. Et Vanek retourne la rondelle en lob. Bournival s'amène rapidement, mais Boychuk a fait un beau repli en défense. Riley Smith remet vers sa gauche, c'est raté pour Marchand. Et le disque va glisser en territoire du Canadien où c'est repli par Piquet Subban. Subban en pleine accélération. Remet la rondelle vers Desharnais. Krejci fait dévier, intercepte et passe à Hamilton. Derrière à Chara qui a failli être piégé par Desharnais. Mais Gallagher saisit. Gallagher
Pierre Larondelle, il a voulu la ramener pour lui-même devant le filet. Desharnais reprend dans le coin. Remet à Georges ensuite. Georges retourne la rondelle derrière Rask. Elle fait un bond favorable pour Iginla, qui remet ensuite à Lucic. À Krejci. David Krejci revient près de la ligne bleue. Cherche de l'espace. Repère Hamilton. Hamilton remet ensuite un peu plus loin. À Lucic, à Hamilton. Un tir pas bien franc, bloqué, dévié ensuite sur la rampe. Là, c'est Krejci derrière le filet. Il est rejoint par Desharnais. Subban s'empare de la rondelle libre. Son dégagement est annulé par Chara. 9 minutes et demie à faire à la période. Voilà une rondelle qui revient dans le coin à Krejci. Krejci remet à Chara et ensuite à Hamilton. Hamilton remet derrière à Chara. Le tir est bloqué par Gallagher cette fois. Et Pacioretty qui perd le disque. Alors les Blues ont vraiment le Canadien dans les câbles sur la séquence. Voilà Chara. Le tir passe. Krejci qui est fait dévier tout juste à la gauche de Price. Et voilà Iginla maintenant. Le tir est dévié après être bloqué par Georges. Krejci reprend à Chara. Price fait l'arrêt. La rondelle bondit derrière lui. C'est l'empilade. Et l'arbitre siffle l'arrêt du jeu. Les joueurs des Bruins sont convaincus que cette rondelle a traversé la ligne des buts. C'est intéressant de voir, Pierre. Ben écoute, c'est une séquence qui n'en finissait plus là, en territoire du Canadien. Et j'ai bien l'impression qu'on va consulter la reprise avant de rendre un verdict final. Prendre le temps de regarder, Pierre, cette rondelle qui bondit par-dessus Carey Price dans le demi-cercle. Rondelle qui frappe le poteau. Desharnais, avec la main droite, semble empêcher cette rondelle de traverser la ligne des buts. Et Iginla célèbre immédiatement. Maintenant, ce serait intéressant de voir si on a quelque chose de concluant du côté de la reprise vidéo. Ah, ben tiens, la rondelle... Ben, encore là, elle est flottante, alors c'est, ça peut être trompeur, attention. Là. Et la rondelle doit entièrement traverser la ligne des buts. Il doit y avoir un espace blanc entre la ligne des buts et cette rondelle. Et il faut aussi rappeler le principe général que ça doit être très concluant pour renverser la décision des officiels sur la glace. Oui, parce que Kelly Sutherland, l'officiel positionné derrière le filet, a signalé que cette rondelle n'avait pas traversé la ligne des buts. On revoit le travail de Desharnais. De cet angle, c'est impossible d'en venir à une conclusion. C'est tout un travail de la part de Desharnais. Vous voyez la réaction de l'officiel cependant. Ça, c'est important également. Ça, c'est le meilleur angle. Cette rondelle semble valser sur la ligne des buts. De cet angle, Marc, mais c'est pas un angle franc, c'est-à-dire que c'est en retrait, la caméra est derrière. Alors, et par-dessus, on a tenté précédemment, mais Desharnais cache le jeu. Oui, exactement, pour avoir une vue directe là, sur cette rondelle. Alors évidemment, on regarde tout ça à Toronto, on appuie, on assiste les deux arbitres ici à Montréal. Et Iginla a très bien réagi. C'est ce qu'il doit faire. Il doit célébrer, il doit attirer l'attention d'une façon ou d'une autre parce qu'il n'y a plus rien qu'il peut faire. Le jeu a été officiellement arrêté. Lui, en célébrant, il provoque quelque chose d'une certaine façon, s'assurant qu'on va aller à la reprise vidéo. Alors, on n'a toujours pas de décision, quoique là, on va savoir le dénouement. Le microphone faisait défaut, mais l'important, on a compris le geste de l'arbitre. C'est ce que j'allais dire. Tout le monde a compris le geste. Cependant, Kelly Sutherland qui va venir expliquer d'ailleurs le tout à Claude Julien. Mais là, l'un des arrêts les plus importants dans le match n'appartient pas à Carey Price, appartient à David Desharnais. Et là, Claude Julien demande est-ce qu'il n'a pas mis la main sur la rondelle, ce qui donnerait un tir de pénalité aux Bruins. Kelly Sutherland signale qu'avec la main ouverte, il a donné un coup sur cette rondelle pour l'empêcher de traverser. Il n'a pas fermé la main pour tenter de s'immobiliser. Écoutez, j'essaie de traduire là, mais rapidement. Raison, c'est la nuance. Oui, exactement. Le règlement. Alors, on va très bien voir ici. Regardez, d'ailleurs, il a encore son bâton dans les mains. Il ne ferme pas la main sur la rondelle, mais bien sur son bâton et empêche la rondelle de traverser complètement la ligne des buts.
bien expliqué, bien illustré également par la reprise. 8:55 à la troisième période. La marque demeure 3-0 Montréal. Lars Eller devant Carl Soderbergh. Et en tombant, Eller pousse la rondelle à Markov, qui remet à la ligne bleue. Gionta tente de rejoindre Bourque, c'est raté. Soderbergh rejette du revers, Price saisit, remet derrière lui à Yemelin. Yemelin remet le long de la rampe, voilà Krug qui saisit. Krug tire du revers, c'est bloqué. Fraser s'amène dans le coin, fait une chute, Eller cherche à reprendre et passe par la rampe vers Gionta. Un dégagement de Gionta à l'autre bout, voilà. Non, ça ne sera pas refusé. La rondelle a dévié. On a bien vu le juge de ligne rendre sa décision à la ligne bleue du Canadien. La Bartkowski qui remet ensuite vers sa gauche. Marchand n'a pas d'espace. Remet à Bartkowski. Et voilà ensuite le dégagement de Soderbergh en zone du Canadien. Price remet aussitôt à son défenseur. Et Bournival fait dévier derrière Miller. Smith reprend à Bartkowski, à Kevin Miller. Et ensuite à Patrice Bergeron. Bergeron s'avance, remet vers Marchand. Le tir, c'est bloqué encore par Mike Weaver. Là, c'est tout un match, du moins devant le filet pour Mike Weaver. C'était 4 tirs bloqués, rappelons-le, après 2 périodes pour Weaver. Voilà Bartkowski, la remise au centre pour Smith. Georges intervient devant Bergeron. Smith reprend et sa passe est interceptée par Subban. Subban à Vanek vers Pacioretty. Une passe qui manquait de vigueur, interceptée. Et Bergeron remet aussitôt à Marchand. Vers Smith, mais quel repli de la part de Gallagher qui relance l'attaque. Tente la passe du revers à Pacioretty. C'est bloqué à la ligne bleue par Krejci. 7 minutes 15 à la troisième période. David Krejci s'amène en territoire du Canadien. Belle feinte, remet derrière lui ensuite. Et un tir touché par Price qui va dévier sur le filet protecteur. Et le jeu s'arrête. 3-0 Montréal, vous regardez le hockey des Canadiens, Coors Light. Alors, Paul Corbier de Brossard pose la question d'Oc de ce soir. Marc, pourquoi le Canadien utilise aussi souvent la longue passe dans cette série? Et je pense que c'est particulièrement évident ce soir. Absolument, M. Cormier. Évidemment, le Canadien a connu beaucoup de succès avec sa stratégie dans la série de premier tour contre le Lightning également. Pourquoi le faire de cette façon contre les Bruins? Parce qu'on veut solliciter la concentration des défenseurs numéro 1. Tu veux étirer également l'unité de 5 qui est très efficace en échec avant. Alors que les défenseurs doivent soit rester en retrait ou se concentrer sur le joueur derrière eux, ils ne peuvent pas être aussi agressifs et venir appuyer le travail très robuste des premiers attaquants qui vont aller appliquer des mises en échec. C'est ce qu'on a décidé de faire du côté du personnel d'entraîneur du Canadien. Il faut dire que cette stratégie jusqu'à maintenant fonctionne bien. Et avec 7 minutes 8 à faire, les Canucks installés dans le cercle des mises en jeu devant Soderbergh. C'est gagné par Soderbergh et Chara reçoit le disque. Le remet derrière le filet, Markov intervient. Tombe sur la patinoire, mais remet quand même à Weiss le long de la rampe. Weiss, plaqué par Soderbergh, se relève et ramène la rondelle entre ses patins, mais Eriksson s'en empare. Et ensuite, un tir qui rate à la gauche de Price. Hamilton reprend et remet derrière le filet. Markov remet le long de la rampe vers Brandon Prost. Prost est complètement tassé du jeu par Fraser, mais voilà un dégagement qui va obliger le repli de Chara dans son territoire. Chara remet la rondelle vers Hamilton. Hamilton rejette derrière lui. Chara remet ensuite devant pour Soderbergh. Soderbergh à Eriksson et ensuite à Hamilton. Vers Fraser qui rate son tir. Et en faisant ça, ben, c'est le hors-jeu à l'entrée du territoire du Canadien. Et il faut reprendre avec 6 minutes 23 à la troisième période. Troisième période, ce qui est important pour le Canadien, pour ce qui reste de cette période-là, c'est qu'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est-à-dire de jouer de façon systématique et prudente, mais de jouer avec fougue et acharnement, surtout en échec avant. Et à chapitre, le quatrième trio là, a rempli son rôle à merveille ce soir, Pierre. Tu as tout à fait raison. C'est un contraste frappant avec la rencontre de samedi. Voilà Heller qui reprend. Et ce sont trio et lui-même qui ont donné le ton à ce match. Le dégagement qui allait être refusé, mais Rask a tout simplement laissé la rondelle à Corey Krug. Krug remet ensuite à sa droite le dégagement de Voychuk, raté par Heller à la ligne bleue. Voilà l'intervention de Georges qui retourne le disque en zone des Blues. Krug reprend et remet à Voychuk par l'arrière du filet. Voychuk, la longue passe.
C'est saisi par Marchand. La remise pour Bergeron. La course entre lui et Georges. Georges vient tasser Bergeron dans le coin. Et Heller lui reprend devant Marchand. Remet la rondelle vers Gionta. Et un dégagement à la ligne bleue. Intercepté par Boychuk. Voilà Marchand derrière le filet. Brad Marchand à Bergeron. Et on son tir qui rate loin à la droite de Price. Krug derrière à Bergeron. Et ensuite, c'est devant le filet Krug qui rate. Boychuk tire. Rate la cible de loin. Alors que Bourque s'était jeté devant lui. Bourque rejette le disque à l'autre bout. Et là, c'est un dégagement qui sera refusé aux Canadiens. Une séquence assez longue là pour le trio de Lars Eller. On se consulte chez les entraîneurs. Michel Therrien veut discuter avec l'arbitre. Aussi, il gagne un peu de temps lui-même. Ah, il demande son temps d'arrêt. Bon, alors voilà. C'est le moment choisi donc par Michel Therrien après le dégagement qui survient avec 5 minutes 15 à faire à la période. Et je pense qu'on peut le comprendre, Marc, en fonction d'une avance que tu veux absolument protéger. Oui, et c'est une excellente décision, effectivement. Et ce trio-là de Krejci ce soir a été très efficace. Non, ils n'ont pas fait scintiller la lumière rouge. Oui, Krejci aimerait bien débloquer, mais en échec avant, pression accrue, échange de rondelles avec les défenseurs, subtiliser les rondelles également aux joueurs du Canadien. Ce trio-là a été très menaçant. Alors, on veut s'assurer qu'on donne les bonnes tâches en défensive. C'est Jean-Jacques Daigneault qui s'en occupe d'ailleurs, avec Subban, Georges, Heller, Gionta et Bourque sur la patinoire depuis un bail. En tout cas, Marc, le match n'est pas fini, mais si je regarde le portrait des séries au sens large, c'est exceptionnel ce qu'on voit aussi au deuxième tour. Qui aurait prévu le retour des Rangers? Le Wild qui est revenu avec 2 victoires à la maison. C'est égal également Los Angeles Anaheim. Wow! Il y a plusieurs histoires assez intéressantes. L'histoire des gardiens de but à Minnesota et Anaheim, entre autres. Oui. Wow! Alors, 5 minutes 15, Krejci devant Heller. Heller qui remet derrière lui. C'est repris par Georges. Et voilà Gionta qui saisit. Remet la rondelle au moins au centre. Et là, ben, progressivement, on verra probablement des changements. Plekanec a déjà sauté dans la mêlée. Higgin la tire. Et encore un tir bloqué par Georges. Chara remet derrière le filet pour Krejci. Il est passé par Subban. Et Plekanec va reprendre le disque. Il le remet sur la baie vitrée. Chara intervient devant Gionta. Plekanec reprend cependant. Tant que le dégagement s'est raté. Plekanec reprend une autre fois. Et là, réussit à rejeter le disque en territoire des Blues. Alors, 4 nouveaux joueurs vont s'ajouter à Plekanec qui était déjà sauté dans la mêlée. Price tente le dégagement. La rondelle a été touchée au vol cependant par Krejci qui a été plaqué par Bournival ensuite. Et là, ben, c'est Bournival qui s'amène aux dépens de Hamilton. Hamilton qui réussit à conserver la rondelle. Bournival ne le lâche pas cependant. Et ça va permettre à Plekanec de reprendre. Remet vers son coéquipier. Plekanec encore en territoire neutre. Remet la rondelle en territoire des Blues. Corey Krug revient derrière son filet. Krug avec la passe vers Bergeron. Bergeron remet du côté gauche pour Bartkowski. Et Armé intervient. Et Valaki, le but! On avait abandonné le filet. Le but d'assurance. Et il y aura un match numéro 7 à Boston. Qui n'avait même pas encore physiquement regagné son banc lors de la sortie de territoire. Bartkowski qui jaune avec cette rondelle. Le travail de dernier pour dire voler la rondelle au joueur des Blues. J'avais même vu Rask qui a tenté avec le bâton de bloquer le dégagement de Vanek. J'ai comme l'impression qu'on va... Le but se comptera donc contre la moyenne de buts alloués, le taux d'efficacité de la part de Tuukka Rask. Parce qu'il est encore sur la patinoire et tentait encore de s'impliquer dans le jeu. Évidemment, Marc, la rectitude m'oblige à rappeler qu'il reste 3 minutes 54. Alors, l'avance est de 4-0. Alors, disons qu'il y a forte probabilité d'un match numéro 5. Et voilà Panier qui reprend. Et Prost, pardon, qui tombe sur la patinoire. Là, c'est Weiss qui va remettre derrière. La rondelle est rejetée trop tôt en territoire des Blues. On va cependant quitter la zone chez le Canadien. Miller remet vers Campbell qui fait dévier derrière le filet. Beaulieu remet la rondelle plus loin. Miller s'avance. Ralenti par Prost. La rondelle va bondir ensuite à Paillet.
derrière à Thornton. Et le tir qui rate à la droite du filet. Krug, il va d'un tir à son tour. Price fait l'arrêt. On va venir tasser Campbell. Évidemment, la mêlée éclate. Il fallait s'attendre à ce qu'il y ait quelques messages qui soient passés en fin de période en fonction d'une situation à l'avantage du Canadien et de la perspective d'un match numéro 7. On va réussir à repousser tout le monde cependant. Et on va à la pause. Montréal 4, Boston 0. Vous regardez le hockey des Canadiens, Coors Light. Ouais, je pense qu'on peut dire mission accomplie. Bryce parfait jusqu'à maintenant sur 24 tirs des Bruins. C'est mieux Rask qui a cédé 3 buts francs aux Canadiens. Le Canadien doit marquer égalité numérique. On l'a fait 2 fois. 3 si on compte le but dans un filet désert ou lorsque Rask abandonnait sa cage. Connaître un bon départ, absolument très énergique, beaucoup de fougue et on a marqué après seulement 2 minutes et 11 secondes de jeu du côté du Canadien. Alors voilà quelques joueurs qui se sont illustrés ce soir et le jeu va reprendre à la droite de Carey Price avec 3 minutes 10 à faire à la période. Krejci l'emporte devant Plekanec et le tir de la ligne bleue réussit à atteindre Price. Il n'y aura pas de retour là-dessus. Contact devant le filet entre Subban et Eginla. Un face-up. Oui, vas-y, Pierre. Non, j'allais dire, les officiels interviennent rapidement par la suite. On a fait état à plusieurs reprises pendant cette série de la provenance des tirs, la qualité des occasions de marquer du côté du Canadien. C'est la première fois qu'autant de joueurs se signalent de cette façon. 7 joueurs différents ont obtenu des tirs de la zone privilégiée. Les Canucks, Krejci encore, c'est gagné par Krejci. Miller remet derrière le filet. La rondelle échappe à Georges. Krejci s'amène, remet derrière à Lucic. Et voilà un dégagement. Bonneval va saisir la rondelle au dépens de, pas au dépens, mais après les Canucks. Et ensuite, c'est récupéré le long de la rampe qui passe à Bartkowski. À Lucic, Georges reprend, remet vers le centre. Et c'est repris là par Bartkowski, le dégagement derrière le filet. Price fait dévier le disque du côté de Subban et ce sera replié au centre. Boychuk rejette à l'autre bout. Et la rondelle échappe à tout le monde et Bournival retourné au banc a omis de toucher au disque de peur de créer la pénalité, le surnom. La Markov qui remet par la rampe vers Kost. Kost rejoint par Soderberg. Le tir de Krug se retrouve derrière le filet. Markov saisit et remet vers Delwis qui fait dévier la rondelle derrière lui. C'est repris là par Soderberg qui remet à Krug. De Krug à Boychuk. Lewis peut ensuite dévier vers Heller qui est plaqué par Boychuk. La rondelle ira derrière le filet des Bruins et elle revient à Fraser. Fraser défié par Heller. La rondelle va glisser le long de la rampe. Weaver intervient, son tir bloqué. Oh, c'est lui de Prost qui rate la cible de justesse à la gauche de Tukarask. Et voilà Weiss qui en rajoute en échec avant. Et Prost également. Et Weiss qui reprend. Mais finalement, le disque va derrière lui. Et c'est Fraser qui s'en empare pour les Bruins. Fraser ralenti par Prost. Et voilà une passe qui échappe ensuite à Boychuk. C'est repris au centre par Markov qui rejette en territoire des Bruins. Et avec 1 minute 20 à faire à la période, la foule qui se lève d'un trait et applaudit. Le Canadien qui a vraiment, Marc, donné une performance que plusieurs n'attendaient peut-être pas. Après le match de samedi et l'allure de la rencontre de samedi. Si on en rajoute avec la mise en échec de Gallagher au dépens de Miller. Si les Bruins ont vraiment dominé le match de samedi, on peut en dire autant pour le Canadien ce soir. Et à l'annonce de la dernière minute de jeu, la foule qui en rajoute. Et voilà Gallagher qui reprend. L'arbitre a levé le bras. Il y aura pénalité qui est ciblée. Alors tout le monde se regarde, on cherche le coupable. Et finalement, c'est David Desharnais qui s'en va au banc pour obstruction. Ah ben, vous l'avez ouais. vu. Le haut de l'enclave, ouais, a empêché Brad Marchand de se porter en échec avant. Alors, le Canadien qui terminera le match à court d'un an. Ben, les deux séries dans l'Est, Marc, vont finalement se terminer en 7 matchs. Tout le monde s'attendait à une longue série Rangers-Pittsburgh.
La plupart des observateurs s'attendaient à une longue série canadienne Blues. Ben, c'est ce qui va se passer. Higgins là tente de marquer. Ensuite, Lucic voulait s'emparer de la rondelle. Fait une chute. Weaver, plaqué le long de la rampe, entraîne le disque dans sa chute. Et Lucic cherche à reprendre. Et c'est un dégagement réussi par Plekanec à l'autre bout. Chara vient donner un double échec à Weaver. Alors évidemment, c'était à prévoir qu'il y aurait quelques gestes discutables à la fin du match. Et je pense que Chara sera chassé. Là, le long de la rampe, Gilla, Lucic, évidemment, qui vient s'ajouter à la situation. Et rendez-vous à Boston dans 48 heures. Tout ça a commencé lorsque Chara n'a pas apprécié que Markov lui fasse sauter les patins. Il y a eu un double échec, un coup de bâton contre Markov. Il y en a eu plusieurs par la suite. Et là, c'est Krug qui s'en prend à Junta. Là, ben, il faut quand même espérer que les spectateurs se calment un peu parce qu'on a des objets là, qui sont tirés sur la patinoire. D'accord ça, avec toi. Voilà ce qui a mis le feu aux poudres. Regardez bien, Markov fait sauter les patins à Chara. Coup de bâton, double échec, un autre coup de bâton. Il va y en avoir un également au dépens de Weaver par la suite. Il a dit quelque chose à Chara. On a vu le reste là, des événements. Évidemment, on ne peut pas voir là, d'objets lancés sur la patinoire là, de la part des spectateurs. C'est dangereux pour les joueurs des deux équipes. Alors, ben voilà, c'est ça. Il faut retenir ses émotions un peu. De toute façon, le match est déjà conclu. Et nous, ben, on peut tout de suite vous lancer notre prochain rendez-vous parce que ce qu'on surveille toujours, ce sont les heures de diffusion des matchs. En série éliminatoire, ben le match numéro 7 vous sera présenté mercredi. Notez bien l'heure, cette fois à Boston, c'est à 19h. Match numéro 7, Canadiens Bruins sur les ondes de RDS. Et déjà, à ce moment-là, Marc, le Canadien connaîtra ou les Bruins. Les deux équipes, peu importe qui va gagner, connaîtront l'identité de l'adversaire en finale d'association. Rappelons que c'est demain que cette finale d'association, que cette demi-finale en fait d'association va se conclure entre les Rangers et les Pingouins. Bon, il y a deux pénalités au tableau là du côté des Bruins. Il faudra déléguer deux joueurs. Claude Julien n'est pas pressé. Ouais. Ouais, il n'est pas pressé, mais il n'est pas content. Ah, mais les arbitres sont moins parfaits soudainement. Intéressant, hein, ça, cette discussion-là qu'il y avait eu. Alors là, l'arbitre annoncé va imposer une pénalité de plus. Et Claude Julien va finalement obtempérer. Bon, ce sera 4 contre 3, si j'ai bien compris. Il restait 1 minute 34 à la pénalité à Desharnais. Thornton ouais. S'en va au banc pour l'un des deux minutes. Le Fraser sera l'autre. Bon, alors voilà. Et t'as raison, c'est Fraser qui est délégué au banc. Il y a 3 joueurs qui sont sur la patinoire pour les Bruins et après tout ce temps, Michel Therrien va déléguer les 4 du Canadien. Ouais, Michel Therrien qui est allé du côté des défenseurs pour ramener Piqué Souban au banc.
Il a envoyé Yemelin et Georges, et c'est Prost et Weiss qui vont s'occuper du travail à l'attaque. Bon, alors, tout ça, c'est un peu inutile. Avec une vingtaine de secondes, Georges remet la rondelle à la ligne bleue, à Yemelin, à Georges et à Yemelin. Une fin, la remise à Georges, une dizaine de secondes à la période. Prost fait dévier sur Rask. Voilà Prost derrière le filet, remet à Yemelin, à Georges. Et un dernier tir au moment où on entend la sirène qui annonce la fin de ce match. Ben, le Canadien a pris la patinoire, a sauté sur la patinoire, marque le couteau entre les dents et n'a jamais cessé et surtout n'a pas baissé le rythme en troisième période. Et Carey Price va donc inscrire un quatrième jeu blanc en carrière en séries éliminatoires. Quatrième jeu blanc. Tous les quatre réalisés aux dépens des Bruins de Boston. Et le Canadien s'est imposé dès le départ, au niveau de la robustesse, au niveau de l'échec avant. Le travail fougueux, énergique de tous les joueurs, de tous les trios. Le travail en défensive de la part des défenseurs. Et Carey Price, parfait jusqu'à la toute fin. De la façon que cette série avait commencé, avec un match en deuxième période de prolongation, on ne pouvait pas s'attendre à une fin bien, bien différente qu'un septième match à Boston, Pierre. Et le salut qui est fait, évidemment, aux spectateurs ici, au Centre Bell. Des spectateurs qui, j'en suis convaincu, plusieurs sont certainement étonnés de la réponse du Canadien après le match d'il y a deux jours à Boston. Voici Michel Lacroix et l'annonce des trois étoiles de ce soir. Mesdames et messieurs, voici maintenant les trois étoiles Coors Light du match de ce soir. Ladies and gentlemen, here are tonight's Coors Light three stars. La troisième étoile, the third star, Tomáš Plekanec! La deuxième étoile, the second star, Max Pacioretty! Et la première étoile, the first star, les trois étoiles Coors Light du match de ce soir. La troisième à Tomáš Plekanec, la deuxième à Max Pacioretty et la première au gardien Carey Price. Il y aura donc un match